Bonjour à tous, nous allons continuer l'histoire de Jean Chicane. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la guerre entre Jean Chicane et les musulmans, ou plutôt de la première guerre entre les Mongols et les musulmans. Cependant, dans cette vidéo, nous devons encore nous concentrer sur les guerres lancées par Jean Chicane dans le nord de la Chine. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer des histoires historiques passionnantes. Après avoir enduré les difficultés de sa jeunesse, la trahison de sa famille et des années de campagne dans le sud et le nord, Tunisia est finalement devenue le souverain de l'ensemble du plateau mongol et a établi l'empire qui terrifiera plus tard le monde, le Grand Empire mongol. Face à un empire important et à une gloire éblouissante, Tunisia n'était pas satisfait. Quelles étaient donc les ambitions de Jean Chicane, connu comme un prodige de sa génération? Pour atteindre de nouveaux objectifs, quel système politique et militaire a-t-il mis en place? Et quelle récompense a-t-on donné aux généraux qui s'étaient battus jusqu'à la mort pour lui? Après avoir établi le Grand Empire mongol, Jean Chicane a créé une série de systèmes de grande envergure pour cet état naissant. La structure organisationnelle la plus élémentaire établie par Jean Chicane pour la nation était le Mingan, qu'il a formulé au cours de sa campagne contre les Naïmans. Jean Chicane divisa le peuple mongol en 95 000 foyers et nomma 88 000 Mingans dans ces 95 000 foyers. Les Hongus, parce qu'ils avaient fait preuve d'un grand discernement en ne se joignant pas aux Naïmans pour attaquer Tunisia et en rejoignant Tunisia dans la campagne contre les Naïmans, ont tous été préservés. Ils étaient divisés en 5 000 foyers, dirigés directement par les chefs Hongus. Les chefs des Hongus pouvaient nommer des Mingans pour ces 5 000 foyers, mais ils avaient besoin de l'approbation de Jean Chicane. Cela signifiait que les Hongus jouissaient d'un certain degré d'autonomie. De plus, les Kongirats étaient divisés en 3 000 foyers, dirigés par les fils de Deïsine, c'est-à-dire les frères de Burt et les beaux-frères de Jean Chicane, qui dirigeaient ces 3 000 foyers. De plus, le beau-frère de Jean Chicane dirigeait 2 000 foyers de sa propre tribu. Pourquoi n'y avait-il que 88 Mingans pour 95 000 foyers? C'est parce que l'un gérait 5 000 ménages, un autre 3 000 ménages et un autre 2 000 ménages. En d'autres termes, 3 personnes géraient 10 000 ménages, donc il y avait 7 Mingans de moins. Chaque ménage des 1 000 restants avait un Mingan. Au-dessous des 1 000 ménages, il y avait 100 ménages, dirigés par des Jadiens, et sous les 100 ménages, il y avait 10 ménages, dirigés par des Arbans. Qu'il s'agisse de Mingan, de Jadiens ou d'Arbans, tous faisaient partie de la classe dirigeante supérieure du Grand Empire mongol. Les Mingans, en particulier, étaient définitivement de la noblesse. De nombreux Mingans étaient à l'origine des bergers ou des esclaves qui sont devenus nobles du jour au lendemain en raison de leur contribution à l'édification de la nation de Jean Chicane. Jean Chicane a décrété que si vous étiez un berger d'une certaine famille de 1 000, vous ne pouviez être que dans l'aire de répartition nomade de votre famille de 1 000 et ne pas partir. Si vous partiez, vous et la personne qui vous a accueilli seriez punis. On s'attendait à ce que les éleveurs produisent en temps de paix, comme garder les troupeaux, tondre les moutons, traire les chevaux, et lorsqu'ils étaient appelés par les Jadiens ou les Mingans en temps de guerre, ils devaient fournir leurs propres provisions, leur équipement militaire et leurs armes pour rejoindre l'armée. Il s'agissait d'un système typique où les soldats et les civils ne faisaient qu'un. La maison des 1 000 était à la fois une unité militaire et administrative. En temps de paix, les Mingans dirigeaient la production et percevaient les impôts. En temps de guerre, ils menaient des troupes au combat, à la manière d'un chef de comté et d'un commandant de régiment. La création de Mingan a été une réforme majeure des systèmes militaires et politiques par Jean Chicane. C'est ce système qui a permis à Jean Chicane de tenir fermement le pouvoir du Grand Empire mongol entre ses mains. Dans le même temps, la structure intégrée des soldats et des civils a également fourni une assurance militaire pour la poursuite de l'expansion de l'Empire mongol par Jean Chicane. Le deuxième système majeur était la création par Jean Chicane de sa propre armée de garde personnelle. Comme mentionné précédemment, avant sa campagne contre les Naïmans, Jean Chicane avait établi une armée de garde de 1 000 gardes, plus 80 kéziks et 70 kéchigs, totalisant 1 150 personnes. Maintenant, Jean Chicane voulait élargir son armée de garde. À combien? À 10 000 personnes, une puissante armée centrale. Ce que Jean Chicane a réellement mis en œuvre était un système féodal similaire à celui des dynasties des plaines centrales pendant la période pré-Qin, comme Cui, Chu, Qin, Yan, Zhao, Wei, Han, l'inféodation féodale. Quelles sont les conséquences de l'inféodation féodale? Que se passera-t-il si un jour, l'un des 1 000 foyers que vous avez inféodé devenait puissant? Tant que vous êtes en vie, ce n'est peut-être pas grave, mais qu'en est-il pendant le temps de votre fils, s'il cesse de tenir compte des ordres? C'est pourquoi une armée centrale forte est nécessaire pour maintenir le contrôle. Jean Chicane a créé cette armée de garde dans ce but.
cette armée de garde en mongol s'appelait Kishig. Ce Kishig, fort de 10 000 hommes, était le corps d'armée centrale le plus puissant de l'Empire mongol. Jiangxi Kan était très intelligent, ce n'est pas n'importe qui pouvait devenir Kishig pour le grand Khan. Qui servirait de Kishig? Les enfants des Mingans, des Jagas et des Arbans. Chaque Mingan devait envoyer un fils et 10 disciples, chaque Jaga devait envoyer un fils et 3 disciples, chaque Arban devait envoyer un fils et 1 disciple. C'est-à-dire que seuls les enfants des fonctionnaires à tous les niveaux pouvaient servir de Kishig, qui s'apparentait à des otages autour de Jiangxi Kan. Ces gens peuvent-ils être dévoués de tout cœur en tant que Kishig? Oui, pourquoi? Ces gens ont des privilèges. Le premier privilège est l'immunité contre les sanctions militaires. Jiangxi Kan a explicitement stipulé que mes gardes personnels ne sont punissables que par moi-même. Même le chef Kishig n'a pas le pouvoir de punir le Kishig. Parmi ces 10 000 Kishig, il y a 4 chefs Kishig, qui sont les généraux fondateurs de Jiangxi Kan, Borshu, Borokul, Shilon et Nukali. Le deuxième privilège, c'est le rang élevé. Jiangxi Kan a dit que le statut de mon Kishig est plus élevé que celui de Mingan, et que leurs serviteurs sont au-dessus des Jagans. Si un Kishig entre en conflit avec un Mingan à l'extérieur, c'est le Mingan qui est puni, pas le Kishig. Le troisième privilège, c'est le contrôle qu'ils exercent sur les affaires majeures et mineures. Il y avait peu d'eunuques dans le palais de l'Empire mongol, c'était le Kishig qui gérait tout, de la garde du palais à la marche et au combat. Le quatrième privilège, c'est qu'ils vont rarement au combat. En tant que garde de Jiangxi Kan, ce sont des nobles habiles dans les arts martiaux et ont reçu une bonne formation militaire dès leur plus jeune âge. Ils devraient être les premiers à se battre dans une guerre, mais ce n'est pas vraiment le cas. Jiangxi Kan a dit que le devoir du Kishig est de protéger mon corps, qui est aussi précieux que l'or. Il monte la garde pour moi toute la journée, organise mes préparatifs de voyage et monte la tente de mon palais, ce qui est déjà un travail très dur. Par conséquent, ils ne vont pas au combat à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Ils ne vont au combat que si je me joins personnellement à la mêlée. Pensez Y, c'est l'équivalent de ne pas avoir de danger de mort, de suivre le grand Khan avec un grand prestige, c'est très bien. Ainsi, ces 10 000 gardes personnels de Jiangxi Kan lui sont naturellement loyaux. Parmi les empereurs à travers l'histoire, Jiangxi Kan avait un esprit plutôt ouvert et était particulièrement bon avec ses fonctionnaires méritants. La plupart des fonctionnaires récompensés par Jiangxi Kan n'étaient pas de sa propre famille, mais l'avaient suivi à travers la vie et la mort. Lorsque Jiangxi Kan récompensa ses fonctionnaires méritants, il ordonna d'abord qu'ils soient amenés dans sa tente à part. Qui Jiangxi Kan a-t-il envoyé pour cette tâche? Son propre frère adoptif, Shiji Kutuk, qui était un enfant d'une tribu ennemie recueillie par sa mère. Shiji Kutuk n'était pas content de cela et a parlé à Jiangxi Kan, lui demandant pourquoi il n'était pas inclus parmi ceux qui étaient récompensés. N'a-t-il pas apporté autant de contributions que les autres? N'a-t-il pas déployé autant d'efforts pour faire la guerre et affronter la mort avec lui? Comme il était emmailloté, il avait été avec la famille de Jiangxi Kan jusqu'à présent, lorsqu'il s'était laissé pousser la barbe sur le visage. En termes de loyauté, qui pourrait être plus loyal envers lui? Jiangxi Kan dit alors à Shiji Kutuk, comment pourrais-je ne pas te récompenser? Vous avez le droit de partager mes diens comme mes autres frères. Quand je partagerai mes diens à l'avenir, je te donnerai autant que je donnerai aux autres, je te traite comme mon propre frère. De plus, je vous accorde un privilège spécial, vous ne serez pas puni pour 9 infractions, ce qui signifie que même si vous commettez 9 infractions, je peux choisir de ne pas vous punir. En entendant cela, Shiji Kutuk demanda ce que signifiait 9 offenses impunies. Il a insisté sur le fait qu'il ne commettrait aucune infraction et a demandé quelque chose de plus tangible en guise d'avantage. Tony Jardy, dit, d'accord, tu seras mes yeux et mes oreilles. Vous gérerez les affaires à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, ta parole aura loi, et personne ne pourra la modifier. Je vous nomme maintenant l'arbitre suprême de la grande nation mongole, vous seul déciderez de toutes les affaires du pays. Tout ce sur quoi nous nous mettrons d'accord sera enregistré et deviendra loi, pour ne jamais être modifié. Qu'en pensez-vous? Shiji Kutuk n'a été satisfait qu'après avoir été nommé juge en chef de la Cour suprême de la grande nation mongole et est allé convoquer les fonctionnaires méritants. Shiji Kutuk convoqua tous les officiels méritants, remplissant une tente entière. Ainsi, Jiangxi Kan commença à récompenser ses fonctionnaires méritants. Le premier était Meng Bik, un vieux ministre de confiance qui avait été confié par le père de Jiangxi Kan sur son lit de mort. Tony Jiang s'est confié à Meng Bik avec une profonde affection, nous avons grandi ensemble et partagé le bonheur ensemble. Depuis que je suis jeune,
Tu es avec moi et tu m'as protégé depuis le début. Ce dont je me souviens le plus clairement, c'est quand Sangom avait de mauvaises intentions et m'a tendu un piège en m'invitant à manger du cou de mouton, c'est vous qui m'avez conseillé de ne pas y aller, me sauvant ainsi du désastre. Je me souviendrai toujours de tes mérites, et mes descendants ne les oublieront pas non plus. Zhang Jiken ordonna qu'un siège spécial soit installé dans la salle pour Meng Li. Zhang Jiken nomma un total de 4 Lamingans, Meng Li se classant premier. Meng Li a été autorisé à participer à d'importantes affaires militaires et étatiques et à discuter des secrets fondamentaux de la famille de Zhang Jiken. Ce privilège n'a même pas été accordé au frère de Zhang Jiken, Bei Dutai. De plus, le fils de Meng Li, le chaman céleste Kokoshu, était le plus haut chef spirituel des Mongols. La famille Meng Li pourrait presque être sur un pied d'égalité avec la famille de Zhang Jiken. Ce privilège était beaucoup plus puissant que n'importe quel tumant, aussi Meng Li s'assit sur la chaise avec une grande satisfaction. Qui a été le deuxième à être récompensé? Tout le monde a compris que c'était Bo Xu, le premier compagnon de Zhang Jiken, qui avait traversé la vie et la mort avec lui au fil des ans. Zhang Jiken dit à Bo Xu, quand j'étais jeune, notre famille n'avait que 8 chevaux, mais ils ont été volés par des voleurs de chevaux. Je suis allé les chercher et je t'ai rencontré en chemin. Sans un mot, tu as jeté ton seau en cuir pour traire les chevaux et tu m'as aidé à récupérer mes 8 chevaux. Quand j'ai levé une armée pour la première fois, j'ai envoyé Bei Dutai à ta recherche. Encore une fois, sans un mot, tu es monté à cheval et tu es venu à moi, et depuis lors, tu m'as suivi à travers la vie et la mort. Pendant la guerre avec les Tatars, quand il pleuvait abondamment, tu avais peur que je sois mouillé, alors tu as mis en place une couverture en feutre vert pour me protéger du vent et de la pluie. J'ai dormi au sec toute la nuit, sans être touché par une seule goutte de pluie, alors que tu étais trempé, tenant cette couverture de feutre tout le temps debout. Je sais tout cela, tes mérites sont plus élevés que le ciel et plus profonds que l'océan. Bo Xu reçut le titre de second Mingan et de tumant de la main droite. En termes mongols, un tumant n'est qu'un titre, et tumant de la main droite est l'équivalent du premier ministre de droite. Bo Xu était très heureux de cette récompense. Après Bo Xu, la récompense est allée à Mikali. Ces deux hommes étaient les bras droits de Zhang Jiken. Zhang Jiken a dit que Mikali avait non seulement élaboré des stratégies pour moi dans les coulisses, mais qu'il m'avait également été loyal depuis la génération de son père. Au cours d'une bataille avec le peuple allemand, ma monture a été abattue, tout le monde était paniqué, mais heureusement, le père de Mikali m'a donné sa monture, ce qui m'a permis de m'échapper avec ma vie. Sous le grand arbre où Kabul Khan célébrait autrefois le Khan, nous avons chanté et dansé. Mikali m'a dit qu'il avait fait un rêve de tonderie selon lequel si j'atteignais cet arbre, je pourrais devenir le Khan de toute la steppe. Aujourd'hui, cette prophétie s'est réalisée, c'est pourquoi je veux récompenser Mikali. Mikali a reçu le titre de troisième Mingan et tumant de la main gauche, l'équivalent du premier ministre de gauche. Le quatrième fonctionnaire méritoire est tout à fait spécial, c'est Orchi qui apporta de bons présages à Zhang Jiken lorsqu'il quitta Jamuka. À ce moment-là, Orchi dit que le ciel éternel lui avait envoyé un rêve que Temujin devait être le grand Khan. Temujin promit alors que s'il devenait le maître de la steppe, il ferait de Orchi un tumant et lui donnerait 30 belles femmes pour épouse. Maintenant que Temujin est devenu le grand Khan du plateau mongol, il a appelé Orchi pour tenir sa promesse et lui a accordé le titre de tumant. Parmi ces humaines, Orchi obtint son titre avec aisance, il parlait jadis avec vantardise sans aucun fondement et devenait maintenant fortuitement un tumant avec peu d'effort, recevant également 30 belles femmes. Orchi sortit joyeusement. La cinquième à être récompensée était Naya. Temujin a dit, vous êtes loyal et capable d'assumer de grandes responsabilités, je vous accorde maintenant le titre de tumant de l'armée centrale. Bien sûr, tout le monde connaissait la raison tacite de la récompense de Naya, son principal mérite était de protéger soigneusement Kulon, l'épouse préférée de Zhang Jiken. Naya a essentiellement utilisé sa relation par l'intermédiaire de sa femme pour obtenir le titre de tumant de l'armée centrale, un titre qui est venu beaucoup plus facilement que ceux accordés à Bo Xu et Mikali. Après avoir récompensé les cinq grands fonctionnaires méritants, Zhang Jiken continua à récompenser Xiuxide, le chef des Hui. Zhang Jiken a dit à Xiuxide que lors de la bataille la plus difficile contre Todorui Khan, c'est toi et puis Dar qui vous êtes battu courageusement au premier rang. Je me souviendrai toujours de ce mérite, si ta flèche n'avait pas touché la joue de Sangon, Todorui Khan n'aurait pas battu en retraite, et je ne l'aurais pas fait aujourd'hui. Par conséquent, je veux vous récompenser grandement en vous accordant le titre de Mingan et en vous offrant un cadeau généreux. Quel cadeau précieux Zhang Jiken a-t-il offert à Xiuxide? Zhang Jiken accorda l'une de ses épouses mineures, Ibaka, à Xiuxide.
C'était en effet un honorat. Les empereurs des plaines centrales récompensaient leurs sujets avec beaucoup de choses, mais il était timide de donner sa propre femme à un subordonné. L'épouse mineure Ibaka, donnée à Yoshidai par Genji Ken, était la nièce de Toguro Ken et la fille d'Oja Agambu. On ne sait pas pourquoi Ibaka a été donnée ou peut-être Genji Ken ne l'a-t-il pas favorisé. Cependant, lorsqu'il renvoya Ibaka, Genji Ken lui dit « Je te confie à Yoshidai non pas parce que notre relation est mauvaise, ni parce que je dédaigne ton comportement, ou parce que tu n'es ni belle ni pure. C'est simplement que les contributions de Yoshidai sont si importantes que je ne sais pas comment le récompenser autrement, c'est ainsi que je te lui donne. » Les sentiments d'Ibaka devaient être complexes. Avec toutes les personnes avec lesquelles Genji Ken aurait pu récompenser Yoshidai, pourquoi fallait-il que ce soit elle? Parmi ses 44 épouses, pourquoi a-t-elle été choisie? Pourquoi pas Tulo? Il aurait été encore plus heureux. Bien qu'Ibaka ait été réticente à partir, être l'épouse d'un grand corps était certainement différent d'être l'épouse d'un grand général. Mais elle savait qu'une fois que le décret du grand camp avait été publié, il ne pouvait plus être changé. Par conséquent, Ibaka n'avait pas d'autre choix que d'épouser Yoshidai et de passer sa vie avec lui avec dévotion. Après avoir récompensé Yoshidai, Genji Ken avait cassé 4 chiens, Jebe, Kubile, Jem et Subuté. Genji Ken leur dit qu'il se sentait particulièrement à l'aise avec eux 4 parce qu'il pouvait briser le cou d'ennemi puissant et briser le dos d'homme fort. Vous êtes tous les 4 mes chiens féroces, partout où je t'envoie, tu peux briser des rochers et briser des falaises, arrêtons les rivières dans leur élan. Avec vous 4, c'est la bonne fortune de ma grande nation mongole. Vous êtes tous nommés Ningon. Puis, Genji Ken convoqua Borokul, Nade, 4 braves, et lui dit, tu seras l'assistant de Bourchu. Bourchu n'est-il pas le tumeur de la main droite? Vous serez son adjoint. Je me souviendrai toujours de votre grande gentillesse. Après avoir vaincu le peuple tatar, un intrus tatar est entré dans la tente de ma mère pour lui demander à manger et à boire. Ma mère, voyant son état pitoyable, alla lui chercher quelque chose à manger. À ce moment-là, mon fils de 4 ans, Tohui, est entré, et l'homme a immédiatement sorti son couteau et l'a tenu sur le cou de Tohui, avec l'intention de le tuer. Dame Oelune poussa un cri de terreur. Son cri a d'abord été entendu par la femme de Borokul. Bien qu'elle soit une femme, elle s'est précipitée sans crainte, a attrapé les cheveux du tatar d'une main et s'est battue pour son couteau de l'autre. Les femmes mongoles ne sont pas aussi délicates que celles des plaines centrales, et ils sont solides et robustes. Elle a réussi à arracher le couteau, permettant à Tuli de se libérer et de s'enfuir. À ce moment-là, Borokul et Jibé étaient à l'extérieur en train d'abattre du bétail. Entendant les cris de Dame Oelune à l'intérieur de la tente, Borokul se précipita avec une hache et fendit l'intrus tatar en deux. C'est pourquoi, dit Genji Ken à Borokul, non seulement tu m'as sauvé la vie, mais aussi celle de mon fils, c'est pourquoi je vous nomme député d'Otimo. Borokul était très content. Shira Wende, 4 braves, ainsi que son frère Kambe et leur père sœur Kanshira, ont également reçu de grandes récompenses. Genji Ken a dit, quand j'étais sous surveillance avec des chiennes parmi le peuple Taishu, votre famille m'a traité le mieux. Quand j'étais poursuivi et en danger, c'est ta famille qui m'a sauvé. Puisque vous désirez les pâturages ou les merkites, ce n'est pas un problème, cette terre appartiendra à votre famille pour toujours. Vous pouvez commettre 9 crimes impunis, et je nommerai Sœur Kanshira comme Tarkan et Shira Wen et Kambe comme Mingon. À l'avenir, si vous avez des sujets à discuter avec moi, il n'est pas nécessaire que d'autres vous annoncent, vous pouvez venir directement me voir. Et c'est ainsi qu'ils s'en allèrent tous les 3 joyeux. Genji Ken n'oublia pas de subvenir aux besoins des enfants des généraux de haut rang morts au combat. Par exemple, à cette époque, le fils de Tuidar a été anobli. Genji Ken lui demanda ce qu'il désirait, et le fils de Tuidar exprima son souhait de rassembler ses partisans dispersés. Genji Ken accepta et lui donna le commandement d'eux. Finalement, le fils de Tuidar rassembla 4000 hommes, Tumija en alla 1500 à son frère Beibute, et le fils de Tuidar prit en charge les 2500 restants. Ainsi, les sujets méritants étaient ravis et très heureux. Après avoir récompensé les sujets méritants, il était temps pour sa propre famille. La famille Golden considérait le monde entier comme sa maison, et toute la steppe était notre propriété, que notre famille pouvait distribuer à volonté. Par conséquent, la mère de Genji Ken, Dame Oelune, et son frère cadet Temuj reçurent 10 000 hommes. Son fils aîné Joshi reçut 9 000, son second fils Shagate 8 000, et son troisième fils Ojdei 5 000. Alors le frère de Genji Ken, Kazar, reçut 4 000 hommes.
Son second frère Achia étant mort, le fils de Achia reçut 2000 hommes et Bel lui tenit 500. Ces gens devaient être les esclaves et les disciples de la famille de Jean-Jikin pour les générations à venir. La tradition mongole voulait que le plus jeune fils hérite de la propriété. Par conséquent, Jean-Jikin laissa tous ses biens à son quatrième fils Tolui, lui donnant 111 000 hommes. À partir de Mong Khan, le quatrième grand corps de Mongolie, la position de Khan a été transmise à travers la lignée de Tolui. Après avoir récompensé ses sujets méritants, Jean-Jikin commença un grand festin pour ses ministres. Au cours de la célébration, Jean-Jikin, tout joyeux avec la boisson, a demandé à ses ministres tels que Mukali ce qu'il pensait être la chose la plus heureuse au monde. Bourchu fut le premier à prendre la parole. Je crois, dit-il, que la chose la plus heureuse au monde, c'est d'avoir un faucon précieux à son bras et un cheval rapide entre les jambes, vêtu de beaux habits, allant à la chasse par temps clair. Jean-Jikin écouta et sourit légèrement sans un mot. Bourchu alors dit, je pense que la chose la plus heureuse est de regarder les aigles se battre dans le ciel pendant que nos chevaux chauffent rapidement à travers les prairies. Jean-Jikin écouta une autre histoire de chasse et ne parla toujours pas. Tubilé a alors dit, je pense que la chose la plus heureuse, c'est quand nous allons à la chasse et que nous regardons les bêtes sauvages courir partout. C'est ça le vrai bonheur. Jean-Jikin se contentait toujours de sourire légèrement sans un mot. Bourchu, Bourocul et Tubilaï se regardèrent, réalisant qu'aucun d'entre eux n'avait parlé au goût du grand Khan. Alors ils se retournèrent tous pour regarder l'ingénieur Mukali. C'est ton tour maintenant, frère, ont-ils dit. Ce que vous dites pourrait plaire au grand Khan. Alors Mukali a pris la parole, je pense que conquérir le monde et unifier tout ce qui est sous le ciel est la chose la plus heureuse de la vie. En entendant cela, Jean-Jikin rit de bon cœur, posa sa coupe de vin et dit que Mukali avait parlé à sa guise. Vivre dans ce monde, déclara-t-il, tuer et détruire ses ennemis, voir son armée écraser leur gouvernement avec une force écrasante, s'emparer de leurs chevaux et prendre leurs femmes et leurs enfants comme esclaves, c'est vraiment la chose la plus heureuse de la vie. Tout le monde comprit alors que le grand Khan avait de grandes aspirations. Il semblait que l'établissement du grand état mongol ne signifiait pas la fin des guerres, il y avait encore un long chemin à parcourir. Mukali profita de l'occasion pour dire à Jean-Jikin que bien que nous ayons unifié le plateau mongol, pour nourrir tant de chevaliers et une population toujours croissante, nous devions lancer des attaques à l'étranger. Surtout contre les chiens de l'ouest et les grands chines au sud, ce sont nos cibles. Jean-Jikin acquiesça, c'est vrai, vous êtes tous mes bras et mes roues. À l'avenir, travaillons ensemble pour rendre le grand état mongol encore plus fort et que tout ce qui se trouve sous le ciel bleu devienne un pâturage pour les Mongols. Que tout ce qui se trouve sous le ciel bleu devienne un pâturage pour les Mongols, tel avait toujours été le rêve de Jean-Jikin. Par conséquent, après avoir unifié les tribus de la steppe, Jean-Jikin lança une série de campagnes aux frontières de la Mongolie dans le but d'étendre davantage son territoire. Cependant, cette campagne ne s'est pas déroulée aussi bien que Jean-Jikin l'avait prévu, cela a même conduit à la mort de son général bien-aimé Bourocul. Alors, qui a tué exactement le Bourocul endurci au combat? Quel gars Jean-Jikin a-t-il tiré de cette campagne? Quelles histoires se sont déroulées? Jean-Jikin a non seulement anobli Oshi en tant que tuant, mais a également tenu sa promesse de permettre à Oshi de choisir 30 beautés à travers le pays. Oshi était ravi de choisir les beautés. Il ne savait pas où les trouver, le pays était plein de tribus, mais où les beautés étaient-elles les plus abondantes? Quelqu'un a dit à Oshi que l'endroit avec le plus de beauté était Koretima. Si vous voulez choisir, allez à Koretima. Situé sur l'actuelle rivière Irtych, à la frontière nord-est de la Mongolie, Koretima ne s'était pas encore officiellement soumis à Jean-Jikin et s'attardait en marge du pouvoir mongol. Oshi envoya quelqu'un à Koretima pour sélectionner les beautés. La personne qui l'a envoyé était originaire de Koretima, nommée Kutukabeki. Oshi dit à Kutukabeki, « Frère, s'il te plaît, prends la peine d'aller dans ta tribu et de choisir des beautés pour moi. » Comme Kutukabeki agissait sous le commandement de Tuman, il se sentait aussi honoré qu'un fonctionnaire de 7e place dans la maison du premier ministre. Il se dirigea vers Koretima, annonçant « Je suis ici sous les ordres de Tuman pour choisir des beautés. C'est un honneur pour vous, alors dépêchez-vous et apportez les beautés pour que je choisisse. » Par conséquent, les habitants de Koretima en voulaient beaucoup à Kutukabeki. Pour qui se prenait-il en venant ici et en leur donnant des ordres? Il ne s'était pas encore complètement soumis au grand empire mongol. S'il était venu ici avec de bonnes manières et avait offert des avantages à leur tribu, il n'aurait pas été impossible pour eux de se soumettre à l'Empire mongol. Mais il vient d'arriver en réclamant 30 beautés, il était clair qu'il s'agissait d'exploitation et d'oppression.
Juste à ce moment-là, le chef des Koritima était décédé et sa femme dirigeait la tribu. Voyant la politesse de Kutukabeti et ses yeux errants la jauger, elle devint furieuse et fit arrêter Kutukabeti. Après la capture de Kutukabeti, ses serviteurs revinrent en courant pour faire le rapport à Oshi, en disant « Tu vois, monsieur, quelque chose de terrible s'est produit. » Koritima éteindra et arrêtera monsieur Kutukabeti. En entendant cela, Oshi a pensé que c'était inacceptable. Il rapporta immédiatement à Zhongji Ken que Koritima était provocateur et résistait ouvertement à l'Empire mongol. En entendant cela, Zhongji Ken sentit également que Koritima ne tenait clairement pas compte de l'Empire mongol. C'était intolérable, alors Zhongji Ken ordonna à l'un de ses quatre généraux fondateurs, Borokur, de mener une armée pour conquérir Koritima. Zhongji Ken a toujours accueilli chaleureusement et généreusement récompensé ceux qui se sont sincèrement rendus. Mais pour ceux qui ont persisté dans la résistance, il n'a jamais hésité à utiliser la force militaire. Ainsi, Zhongji Ken envoya son général bien-aimé Borokul pour conquérir Koritima. En tant que l'un des quatre généraux fondateurs de Zhongji Ken et un vétéran renommé de nombreuses batailles, Borokul était trop confiant et sous-estimait l'ennemi lors de cette expédition. Borokul pensa, « J'ai affronté de grandes vagues dans ma vie, qu'est-ce que Koritima sinon un petit fossé ? J'ai surmonté de grandes vagues, pourrais-je chavirer dans un petit fossé ?» De plus, Borokul était réticent à entreprendre cette tâche, c'était juste pour avoir choisi des beautés pour Oshi qu'il devait partir en campagne, alors il ne l'a pas prise au sérieux et a dirigé ses troupes de manière nonchalante. Lorsque l'armée de Borokul arriva sur le territoire de Koritima et dit les forêts denses, il ordonna qu'un camp soit installé parmi les arbres. Il s'agissait d'un grave tabou militaire, il n'était pas familier avec la géographie locale et a pourtant décidé de camper dans une forêt dense. Les habitants de Koritima étaient au Yaïrjan, vous campiez sur leur territoire. Après avoir installé le camp, Borokul n'a pas renforcé ses défenses. Il pensait que la simple arrivée des troupes mongoles ferait se soumettre Koritima sans combattre. De manière inattendue, Koritima lança une attaque nocturne, dispersant les soldats mongols. Comme le commandant Borokul lui-même avait été négligent, toute l'armée mongole avait été complaisante. Soudain pris en embuscade, ils furent jetés dans le désarroi. Borokul n'avait pas d'autre choix que de résister vaillamment jusqu'à ce qu'il connaisse une mort héroïque. Ainsi, l'un des quatre généraux fondateurs de Zhongji Ken périt lors de l'établissement de l'Empire mongol, chavirant dans un petit fossé, ce qui était vraiment regrettable. La nouvelle de la mort de Borokul parvint à Zhongji Ken, qui entra dans une rage folle. « Cela ne peut pas durer, je mènerai personnellement une armée à la conquête de Koritima. » Mukali et Borokul en dissuadèrent rapidement, arguant qu'il n'était pas nécessaire que le Ken lui-même ait affaire à un Koritima mineur. La défaite de Borokul était due à sa sous-estimation de l'ennemi, il n'y avait donc pas besoin de l'implication personnelle de Ken, un autre général suffirait. Ainsi, Zhongji Ken envoya un autre général, Dorbo Doksha, avec une armée pour attaquer Koritima. Dorbo Doksha apprit de la leçon de Borokul et marcha prudemment le long du chemin. Lorsque Dorbo Doksha mena son armée à Koritima, il ordonna l'établissement d'un camp de l'or à l'endroit où Borokul était tombé au combat. Il engagea alors des guides locaux avec la promesse d'une forte récompense et lança une attaque surprise directement sur la forteresse de Koritima. Koritima avait remporté une grande victoire après avoir tué Borokul, l'un des quatre grands généraux de la fondation de Zhongji Ken. Ainsi, ils sont devenus complaisants. À ce moment-là, qu'aurait dû faire le chef de Koritima ? J'ai vaincu la grande armée mongole, et même le frère juré de Zhongji Ken, Borokul, a été tué par moi. Je devrais humblement implorer le pardon de Zhongji Ken et offrir promptement les belles femmes exigées par Oshi, se soumettant au grand état mongol pour épargner Koritima de l'anéantissement. Cependant, la dirigeante de Koritima était tellement absorbée par sa victoire qu'elle croyait pouvoir résister au grand état mongol. Elle a organisé un banquet pour célébrer la victoire, et tout le monde s'est enivré. À ce moment-là, un espion rapporta qu'une deuxième armée mongole était arrivée et avait campé à l'endroit où Borokul était mort. La chef se mit à lire bruyamment en entendant cela, pensant que les Mongols avaient la mémoire courte. Qu'ils donc pour ce soir, nous attaquerons leur camp à la faveur de l'obscurité demain. Alors que les habitants de Koritima étaient ivres, l'armée de Dorbo Doksha, dirigée par des guides, apparut comme des soldats divins à la colonie de Koritima, les battant complètement et les dispersant dans toutes les directions. La dirigeante de Koritima a vu qu'il y a quelques instants, tout le monde buvait joyeusement ensemble, mais en un clin d'œil, elle s'est retrouvée seule en tant que seule commandante. Elle s'est rapidement levée pour courir, mais a alerté quelqu'un juste à l'arrière de sa tente. Qui était cette personne ? Kutukabeti.
La chef a capturé Tutuka Beti, mais ne l'a pas tué et a assigné des gens pour le garder. Lorsque l'armée mongole a percé, ceux qui gardaient Tutuka Beti se sont enfuis. Tutuka Beti est sorti pour voir tout le monde courir et a attrapé quelqu'un pour lui demander « Pourquoi courez-vous ?» La personne lui a dit que l'armée mongole faisait des raids et que s'il ne s'enfuyait pas, il perdrait la vie. Tutuka Beti s'est rendu compte que des renforts étaient arrivés et qu'il allait être libéré, alors il est rapidement sorti, seulement pour se heurter à la chef. Voyant la dirigeante dans un état de panique, Tutuka Beti réalisa que Koritima était condamné. Lorsque Tutuka Beti avait été envoyé pour la première fois à Koritima, il avait gardé un œil sur cette dirigeante et s'était déjà intéressé à elle. La voyant seule et pitoyable, Tutuka Beti l'embrassa et alla réclamer sa récompense à l'armée mongole. Les Mongols pacifièrent Koritima et Oshi choisit 30 belles femmes, satisfait de sa conquête. Tutuka Beti demanda alors à Jean-Jiken de le récompenser en lui offrant la femme chef de Koritima. Jean-Jiken acquiesça, après tout, tu as servi en tant qu'envoyé avec mérite, et tu as été retenu captif pendant un certain temps, considéré cela comme une compensation. La dirigeante, étant sous le toit de quelqu'un d'autre, n'a pas osé refuser et a donc accepté. À partir de ce moment-là, Oya Erjan se soumit également au grand état mongol. La soumission de Koritima consolida encore l'unification du grand état mongol. D'autres tribus ont également pris des mesures en apprenant cette nouvelle et ont cherché la paix avec Jean-Jiken, avec l'intention de se soumettre à la Mongolie. Le chef de la tribu Ouïghour, Yidu, a également entendu parler de la renommée de Jean-Jiken et savait qu'il n'était pas une personne ordinaire et qu'un jour il étendrait son territoire. Yidu prit donc l'initiative de contacter Jean-Jiken en envoyant des émissaires avec des trésors comme des perles d'or et des tissus de soie pour le rencontrer. Après avoir rencontré Jean-Jiken, l'envoyé de Yidu s'agenouilla immédiatement et dit « Notre Seigneur a dit qu'entendre parler de ta célébrité, c'est comme voir le soleil après la dispersion d'un nuage ou comme voir de l'eau claire lorsque la glace et la neige fondent. Nous sommes tout à fait disposés à nous soumettre à vous. Si tu nous accordes ta faveur, nous sommes prêts à être ton état vassal et à nous battre pour toi jusqu'à la mort. Notre chef Yidu est prêt à vous prendre comme son père juré et à être votre avant-garde. » Jean-Jiken fut ravi d'apprendre que la lointaine tribu Ouïghour était venue jusqu'à la steppe mongole pour se soumettre et dit à l'envoyé d'informer Yidu qu'il était très satisfait de sa décision. Il accepta de le prendre comme son fils juré et lui offrit sa plus belle fille en mariage. Puis il demanda à Yidu de venir dans la steppe mongole afin qu'il puisse établir une alliance formelle. L'envoyé de Yidu fit ses adieux à Jean-Jiken et, à son retour, transmit la demande de Jean-Jiken à Yidu. Yidu est en effet venu en personne dans la steppe mongole pour rendre hommage à Jean-Jiken. Jean-Jiken fut très heureux et donna sa plus belle fille en mariage à Yidu. Je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir vu la princesse mongole, Yidu dise avec beaucoup d'hésitation, épouser la princesse du pays d'en haut est un gros problème, alors je ne peux pas la ramener avec désinvolture. Après mon retour, je dois discuter avec mon peuple et m'assurer d'accueillir la princesse avec la plus grande courtoisie, sans ternir la réputation du pays d'en haut. Jean-Jiken pensa en lui-même, ce jeune homme est très sensé. Je n'ai même pas pris ma fille au sérieux et je l'ai juste donnée avec désinvolture en guise de récompense, mais il est tellement poli. Yidu revenu en arrière et discuter. Cependant, une fois que Yidu est revenu, il n'a plus jamais écrit. Un an, deux ans, trois ans s'écoulèrent, et il ne vint toujours pas épouser la princesse. Les Mongols furent surpris. Le grand Khan l'appréciait tellement, lui avait donné la princesse en récompense, alors pourquoi s'attardait-il encore ici et ne venait-il pas la réclamer? Après une enquête plus approfondie, il a été découvert que Yidu était un mari typique qui avait très peur de sa femme. Sa première femme n'était pas d'accord, alors l'affaire a continué à traîner jusqu'à ce qu'elle décède, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a épousé la princesse mongole. Lorsque la princesse mongole arriva dans la tribu Ouïghour, Jean-Jiken était déjà mort, et c'était sous le règne d'Ojdaïken, le deuxième grand khan de Mongolie. Bien que Yidu n'ait pas épousé la princesse mongole du vivant de Jean-Jiken, après tout, la tribu Ouïghour s'était soumise au grand empire mongol. L'empire mongol avait gagné un autre état vassal, ce qui revenait à donner des ailes à un tigre. À ce moment-là, l'ensemble du plateau mongol était unifié sous un seul règne, et l'empire mongol prospérait, avec le pouvoir de la famille d'or à son zénith. Cependant, comme la population de la steppe continuait de croître et que le niveau de productivité n'était pas élevé, les gens ne pouvaient choisir de vivre de là où il y avait de l'eau et de l'herbe, comptant sur le ciel pour leur subsistance. Par conséquent, pour soutenir la population croissante, il était nécessaire de s'étendre vers l'extérieur à la recherche d'un nouveau pâturage.
celle-ci a été déterminée par le mode de production nomade des nations de steppe. Par conséquent, les Mongols ont jeté leur dévolu sur les riches nations agricoles du sud. À cette époque, il y avait principalement trois pays au sud du plateau mongol, les Xia occidentaux, l'Empire Jin et les Song du sud. De toute évidence, les Mongols ne pouvaient pas attaquer les Song du sud parce qu'ils ne partageaient pas de frontières avec eux. Alors que diriez-vous d'attaquer la dynastie Jin? Les Mongols estimaient que leur propre force était encore insuffisante. Après tout, la dynastie Jin avait été le suzerain de diverses tribus mongoles. En gardant cela à l'esprit, il ne restait plus qu'une seule cible, qui était les Xia occidentaux qui bordaient le Grand Empire mongol. Par conséquent, Zhang Jiken voulait utiliser les Xia occidentaux comme pratique pour tester la capacité de la cavalerie mongole à capturer des villes bien défendues. Les Mongols étaient à l'origine habitués aux batailles sur le terrain dans les prairies, maintenant, ils voulaient voir s'ils pouvaient détruire des villes. Les Xia occidentaux, établis par le peuple Tango depuis que l'empereur Li Yuanao s'est autoproclamé empereur en 1038 après J.C., ont une histoire de plus de 100 ans. Avant cela, Zhang Jiken avait envahi les Xia occidentaux à deux reprises, forçant les Xia occidentaux à rechercher la paix avec la Mongolie, mais il n'a finalement pas réalisé son souhait. En 1209, l'armée mongole attaqua les Xia occidentaux pour la troisième fois. Cette fois, Zhang Jiken a fait une démonstration de force, visant directement la capitale des Xia occidentaux, la préfecture de Xinting. L'empereur Xianzong des Xia occidentaux, Liu Kang, réfléchit à la façon dont il pourrait repousser Zhang Jiken. En plus d'avoir moi-même un bon nom, je dois aussi changer le nom de la capitale, de Xinting à Zhongxing, signifiant Renaissance, ce qui suffirait à dissuader les Mongols. Les Mongols ne comprenaient pas le chinois, vous pouvez être en sécurité ou réanimé comme vous le souhaitez, je vais tout de même vous attaquer. L'armée mongole se dirigea directement vers le cœur des Xia occidentaux et s'empara de la ville de Wuyue, avançant jusqu'à Qiyimen, un col important à la périphérie de la préfecture de Xinting. Si Qiyimen tombait aux mains de l'armée mongole, la préfecture de Xinting n'aurait plus de position défendable et l'armée mongole apparaîtrait à l'extérieur de la préfecture de Xinting. Par conséquent, l'empereur Xianzong des Xia occidentaux, Liang Kang, ordonna rapidement à Wei Bingun, le général en chef de la famille royale, de mener une armée de 100 000 hommes pour résister à la cavalerie mongole. Wei Bingun combattit férocement les Mongols pendant 3 mois, mais tomba finalement dans une embuscade mongole. Wei Bingun lui-même a été capturé, Qiyimen a été percé, puis la préfecture de Xinting a été encerclée par l'armée mongole. La préfecture de Xinting était la capitale des Xia occidentaux depuis plus de 100 ans. Il avait de hauts murs et des douves profondes et était facile à défendre mais difficile à attaquer. À cette époque, les Xia occidentaux étaient comme un ipad qui ne mourait pas facilement. L'empereur Xianzong des Xia occidentaux, Liang Kang, mobilisa des troupes de partout pour se précipiter vers la capitale pour un effort de secours et exhorta les soldats et les civils de la ville à résister fermement. Dans le même temps, il a demandé de l'aide à son état suzerain, l'Empire Jin. Les Mongols nous attaquent, si nous tombons, tu seras le prochain. Alors, s'il vous plaît, envoyez rapidement des renforts. À cette époque, l'empereur qui régnait sur l'Empire Jin était le célèbre incompétent Wanyang Yongji, connu dans l'histoire de l'Empire Jin. Face aux appels à l'aide des Xia occidentaux, Wanyang Yongji les a ignorés. Il croyait que lorsque les ennemis s'attaquaient les uns les autres, c'était une fortune pour son propre pays. Les Mongols ne sont pas beaux, et les Xia occidentaux non plus. C'est juste une situation où le chien mange le chien, qu'ils se battent entre eux, c'est une chance pour notre pays. Par conséquent, l'Empire Jin refusa d'aider les Xia occidentaux. Sans aucune aide, les Xia occidentaux n'avaient d'autre choix que de s'appuyer sur leurs solides fortifications et de tenir dans la préfecture de Xinting contre l'assaut mongol. À cette époque, même si les forces mongoles étaient de bonne humeur, les soldats des Xia occidentaux, réalisant que leur nation était au bord de la destruction, ont riposté désespérément, ce qui a rendu difficile pour les Mongols de pénétrer dans la préfecture de Xinting à court terme. Zhang Jiken songea alors à utiliser le camp de ses soldats, comme la préfecture de Xinting était proche du fleuve jaune, il décida de franchir le fleuve et d'inonder la ville. L'utilisation de l'eau pour assiéger une ville était une tactique courante dans la Chine ancienne. Les forces mongoles creusèrent à travers les digues du fleuve jaune, et les eaux du fleuve se précipitèrent vers la préfecture de Xinting. Alors que le niveau de l'eau montait et menaçait de faire s'effondrer les murs de la ville de la préfecture de Xinting, un événement inattendu s'est produit. Quel était cet événement inattendu? Les murs de la préfecture de Xinting avaient été renforcés pendant plus de 100 ans et étaient extrêmement solides. En revanche,
Les digues mongoles construites à latte ne pouvaient pas se comparer aux murs robustes de la préfecture de Xinting. Ainsi, si les murs de la préfecture de Xinting ne sont pas tombés, les digues mongoles l'ont fait. Les eaux de la rivière en crue ont déferlé sur le camp mongol, causant un grand tandara aux mongols. Heureusement, c'étaient tous des cavaliers, ils montèrent à cheval et s'enfuirent, de sorte que leurs pertes ne furent pas importantes. Cependant, il semblait impossible de capturer la préfecture de Xinting à ce stade. Zhang Zhikan décida de négocier avec le peuple de Xia Occidentaux et Ibiraïda, le grand tuteur de Xia Occidentaux qui avait été capturé dans la ville de Ruyue, permettant à Ida d'entrer dans la ville et de persuader l'empereur Xiongzong de Xia Occidentaux, Liang Kang, de se rendre. L'empereur Xiongzong de Xia Occidentaux savait également que bien que la capitale ait été temporairement sauvée, les Xia Occidentaux n'étaient certainement pas de taille face aux Mongols. Puisque les Mongols avaient entamé des pourparlers de paix, il valait la peine d'endurer une humiliation temporaire pour une paix momentanée. Par conséquent, l'empereur Xiongzong de Xia Occidentaux envoya des émissaires avec de l'or, de l'argent, des bijoux et même sa propre fille pour rencontrer Zhang Zhikan. Lorsque les émissaires de Xia Occidentaux arrivèrent au camp mongol, ils dirent à Zhang Zhikan qu'ils avaient très peur en entendant son grand nom et que les Xia Occidentaux anxieux étaient prêts à devenir son bras droit et à le servir. Cependant, comme les habitants s'installaient dans les villes, ils ne pouvaient pas s'engager dans une guerre rapide et ne pouvaient pas répondre immédiatement à ses appels ou le suivre au combat. Mais si Zhang Zhikan leur accordait sa faveur, les Xia Occidentaux étaient prêts à offrir de nombreux chameaux, des feutres et des tissus de laine tissés à la main, leurs faucons les mieux entraînés et leurs belles femmes, tout cela dans l'espoir qu'ils retireraient ses troupes. Voyant que la préfecture de Xinting ne pouvait pas être prise en peu de temps et que les Xia Occidentaux avaient capitulé, Zhang Zhikan accepta de battre en retraite. La retraite de Zhang Zhikan servait également à un autre objectif, s'occuper d'une cible stratégique plus importante, l'Empire Jin. Bien que l'Empire Jin ait été le suzerain de diverses tribus de steppes, dans le cœur de Zhang Zhikan, c'était un ennemi juré avec lequel il ne pouvait pas coexister. La vendetta de l'époque où on battit Khan des tribus mongoles a été exécutée par le grand Empire Jin et des années d'expérience et millions de paiements de tribus à l'Empire Jin avaient approfondi la haine de Zhang Zhikan. Au cours de la deuxième année du règne de Zhang Zhikan en tant que grand Khan, il se rendit à Jinzhou à la frontière de l'Empire Jin, aujourd'hui la bannière de Sisiwang en Mongolie intérieure, pour payer un tribut à l'Empire Jin. Qui a accepté l'hommage de Zhang Zhikan à ce moment-là? C'était l'oncle de l'empereur Zhangzong de Jin, le prince Wei Wanyoyongji. Wanyoyongji était grand et costaud avec une barbe flottante et avait l'air d'un homme talentueux. Il s'habillait souvent simplement, mais n'était qu'une figure de proue sans réelle substance à l'intérieur. Peut-être parce qu'il avait trop bu la veille ou qu'il n'avait pas bien dormi, Wanyoyongji était assis dans le couloir en bâillant continuellement, les yeux fermés. Après l'entrée de Zhang Zhikan, il ne s'agenouilla pas comme auparavant, mais plaça sa main sur sa poitrine et s'inclina légèrement, en disant « Le grand Zhang Zhikan des Mongols salue l'envoyé de l'Empire Jin ». En entendant cela, Wanyoyongji s'empressa de dire « Lève-toi et assieds-toi ». Les fonctionnaires de l'Empire Jin se couvrirent la bouche et ricanèrent secrètement « Qui s'est agenouillé devant toi ?» Quand Wanyoyongji ouvrit les yeux et vit Zhang Zhikan assis là, le regardant avec dédain, il réalisa que Zhang Zhikan ne s'était pas agenouillé du tout et qu'il était juste présomptueux. Le visage de Wanyoyongji ne pouvait pas s'accrocher et il se sépara de Zhang Zhikan en mauvais termes. Après son retour à la cour, Wanyoyongji fit son rapport à l'empereur Zhangzong de Jin, disant que Zhang Zhikan nourrissait des arrière-pensées et méprisait l'Empire Jin. Il a suggéré que même si Zhang Zhikan n'était pas encore puissant, il devrait envoyer des troupes pour l'éliminer rapidement. À cette époque, l'empereur Zhangzong était gravement malade et ne s'occupa pas de cette affaire. L'année suivante, l'empereur Zhangzong décède. Comme l'empereur Zhangzong n'avait pas de descendance, il laissa un testament à son oncle incompétent, le prince Wei Wanyoyongji, pour qu'il succède au trône. Et c'est ainsi que Wanyoyongji monta sur le trône. Lorsqu'un nouvel empereur est intronisé, il est de coutume d'envoyer des émissaires dans les états vassaux pour les informer du changement de dirigeant. En conséquence, un émissaire de l'Empire Jin arriva à la cour mongole. Zhang Zhikan ne reçut pas l'émissaire Jin dans sa grande tente, mais plutôt sur son terrain de chasse. Monté sur son cheval, Zhang Zhikan regarda froidement l'émissaire. Malgré des demandes répétées, Zhang Zhikan refusa catégoriquement de mettre pied à terre, exhortant l'émissaire à parler rapidement. N'ayant pas d'autre choix, l'envoyé commença à lire le décret. Mais dès qu'il se mit en route, Zhang Zhikan l'interrompit, exigeant de savoir qui était le nouvel empereur. L'émissaire répondit qu'il s'agissait du prince Wei Wanyoyongji. En entendant cela, Zhang Zhikan cracha sur le sol avec dédain,
remarquant qu'il avait pensé que seuls les talents célestes pouvaient devenir des empereurs des plaines centrales, et pourtant quelqu'un d'aussi incompétent que le prince Wei était maintenant empereur. Après avoir parlé, Zhang Jiken fit demi-tour et s'en alla. L'émissaire, réalisant qu'il ne pouvait pas revenir sans avoir accompli sa mission, appela au désespoir de cause que Zhang Jiken avait autrefois accepté une position officielle du Grand Empire Jin et qu'il en était donc le sujet. Avec un nouveau souverain montant sur le trône et venant conférer une promotion, Zhang Jiken devrait mettre pied à terre et s'agenouiller en signe de respect plutôt que de montrer un tel manque de respect arrogant. Zhang Jiken devint furieux en entendant cela. Il était sur le point de partir, mais il fit demi-tour et regarda l'émissaire, déclarant qu'il nourrissait une profonde inimitié contre l'Empire Jin pour la mort de l'Empire Jin et qu'il n'avait pas encore réglé ce compte. L'envoyé osa venir faire des demandes, s'il savait ce qui était bon pour lui, il partirait tout de suite, sinon sa vie serait en danger. Voyant la fureur de Zhang Jiken et les cavaliers mongols qui l'entouraient avec des épées dégainées et des flèches pointues qui le regardaient, l'envoyé n'eut d'autre choix que de retourner à sa cour découragée. Après avoir rapporté ces événements à Manian Yongji, il est devenu clair pour lui que Zhang Jiken avait l'intention d'attaquer. Après avoir établi l'Empire mongol, Zhang Jiken a progressivement amassé la force nécessaire pour faire face à l'Empire Jin. Afin de venger la vendetta de ses ancêtres et de changer le statut humiliant de payer un tribut à l'Empire Jin, en 1211 après J.C., Zhang Jiken décida de lancer une offensive contre l'Empire Jin. À cette époque, bien que l'Empire Jin soit gangrené par la corruption et que ses dirigeants et ministres soient incompétents, il possède toujours une force militaire considérable et ne peut être sous-estimé. Cependant, en seulement 4 ans, la cavalerie de Zhang Jiken traversa toute la plaine de Chine du Nord et atteignit les rives nord du fleuve Jaune, capturant la capitale secondaire de Jin, l'actuel Pékin. Alors, comment Zhang Jiken a-t-il réussi à franchir les barrières naturelles comme Yiyun et le col de Juyo et à vaincre l'Empire Jin lourdement armé? Quel sort allait arriver à l'Empire Jin, qui avait jadis conquis Liao et détruit Sun? Bien que Wanyang Yongji savait que Zhang Jiken, l'aigle des steppes, ne laisserait pas les choses se reposer facilement, à ce moment-là, l'aristocratie Xiuchang s'était installée près de 100 ans après la fondation de son état et avait depuis longtemps mis pied à terre de ses chevaux. Les unités militaires autrefois vaillantes et aguerries connues sous le nom de Manganmuk avaient longtemps négligé leurs compétences martiales et ne pouvaient pas être réorganisées à temps. Wanyang Yongji attendait anxieusement le résultat, espérant que Zhang Jiken ne faisait que bluffer. Mais Zhang Jiken n'était pas du genre à proférer des menaces en l'air. En 1211 après Jésus-Christ, également connu sous le nom de Dao 3 ans dans le calendrier mongol, Zhang Jiken décida de faire la guerre aux Jin avec ses fils Joshi, Shagatai et Ujdai à la tête de dizaines de milliers de soldats du plateau mongol directement vers la frontière de l'Empire Jin. Jibei, servant d'avant-garde aux forces mongoles, a été le premier à atteindre un endroit appelé Wuxiabao à la frontière entre la Mongolie et Jin. Le général de la dynastie Jin, Du Xizong, mena ses troupes au combat, mais fut vaincu et s'enfuit. En une seule bataille, les Mongols s'emparèrent d'un important bastion frontalier de l'Empire Jin. Jibei rapporta cette victoire à Zhang Jiken, notre armée a gagné une grande première bataille. Zhang Jiken fut très satisfait et ordonna immédiatement une division de ses forces. Comme l'armée Jin était si facilement vaincue, il décida d'envoyer des troupes pour capturer la capitale secondaire de l'Empire Jin à l'ouest, aujourd'hui Datong dans le Shaanxi. Le commandant de la capitale occidentale, Wu Xiaoyu, en apprenant l'invasion mongole, décida de fuir. Ainsi, l'une des 5 capitales de l'Empire Jin, la capitale occidentale, tomba aux mains des Mongols. Zhang Jiken divisa ses 3 fils pour diriger des forces distinctes et s'empara de plus de 90 comtés de l'Empire Jin. L'armée mongole remporta une brillante victoire. Alors que la nouvelle atteignait la capitale de l'Empire Jin, Wanyang Yongji, le souverain de la dynastie Jin, apprit que Zhang Jiken avait personnellement mené une grande armée à l'attaque. Les villes frontalières tombèrent, des généraux renommés moururent et la capitale de l'Ouest fut perdue. Il semblait que les Mongols n'étaient pas seulement engagés dans des raids mineurs cette fois-ci. Wanyang Yongji se rendit compte de la gravité de la situation et décida de s'engager dans une bataille décisive avec l'armée mongole, dans le but de porter un coup fatal. Wanyang Yongji nomma le général Wanyang Jija commandant en chef pour diriger une force de 400 000 soldats stationnés à la crête des renards sauvages. C'était essentiellement la force d'élite de la dynastie Jin. Wayne Fox Ridge est aujourd'hui situé à la frontière entre le Hebei et la Mongolie intérieure. La légende raconte que Wayne Fox Ridge a divisé le ciel en 2 moitiés, les oiseaux étant incapables de la traverser. La crête couvre une superficie de plus de 10 000 et est un endroit idéal qui peut être défendu par un seul homme contre 10 000. Si les forces Jin pouvaient tenir cette position avantageuse,
il sera difficile pour la cavalerie mongole de passer à travers la crête de White Fox. Après tout, la cavalerie avait du mal avec le terrain des montagnes et des rivières, contrairement aux prairies sans fin de la Mongolie où elle pouvait manœuvrer librement. En arrivant à White Fox Ridge, Wanyan Zhixian déploie ses troupes et se prépare à affronter l'armée mongole. C'était une grave erreur de la part de Wanyan Zhixian et son général Titan, Shimu Minan, le déconseilla immédiatement. Le commandant suprême ne doit pas engager les Mongols dans un combat ouvert, car cela ferait le jeu de leurs mains. L'armée mongole était pleine d'élan et inarrêtable. Nos forces doivent s'appuyer sur la position avantageuse, épuiser l'esprit de l'ennemi, puis contre-attaquer. Cependant, Wanyan Zhixian n'était pas d'accord et a déclaré qu'en tant que commandant en chef nommé par l'empereur, il était nécessaire de montrer la puissance de notre dynastie impériale et d'affronter l'ennemi de front. Nous ne pouvions pas agir comme une tortue timide. Voyant que le commandant ne tenait pas compte de ses conseils, Shimu Minan proposa rapidement une attaque surprise, prenant les Mongols au dépourvu. Wanyan Zhixian rejeta la suggestion, disant que les mots du général étaient incorrects. Avec 200 000 fantassins et 200 000 cavaliers sous ses ordres, il avait une force puissante de 400 000 soldats. Qui avait-il à craindre des Mongols? Wanyan Zhixian n'avait aucune idée de ce dont il parlait et était complètement naïf. Juste à ce moment-là, un éclaireur rapporta que l'armée mongole était déjà arrivée à l'ouest de White Fox Ridge. Les deux commandants cessèrent de se disputer et cherchèrent d'urgence une solution. Quel plan Wanyan Zhixian a-t-il élaboré? Il dit à Shimu Minan de se rendre au camp mongol et d'interroger Zhang Jiken en tant qu'état vassal de la dynastie Jin. Pourquoi a-t-il levé une armée et envahi notre empire céleste? Quand l'ennemi est déjà à nos portes, au lieu de penser à la façon de diriger nos troupes, il veut en fait les interroger. Avec un gros soupir, Shimu Minan réalisa qu'avec un tel commandant, l'armée de 40 000 hommes n'était que de la viande sur le bio. Par conséquent, il a décidé que sa survie était primordiale. Quiconque voulait mourir, il pouvait mourir. Il n'était pas un Jurchon comme eux, mais un Titan. C'est le Jurchon qui a anéanti sa patrie. Pendant plus de 100 ans, les Titans avaient été les esclaves des Jurchons. Maintenant, avec la montée d'une troisième puissance, ils avaient enfin une chance de se venger. En conséquence, Shimu Minan se rendit à la tombe de Zhang Jiken, s'agenouilla et se rendit volontairement. Zhang Jiken fut agréablement surpris et félicita le général pour sa sagesse dans le choix du bon camp. Très bien, dit-il, laissons le général Shimu Minan être l'avant-garde et mener les chevaliers mongols à attaquer le camp principal de Wanyan Zhixian. Alors que Wanyan Zhixian attendait toujours bêtement le retour de Shimu Minan avec de nouvelles, il fut pris au dépourvu lorsque non seulement une personne, mais des dizaines de milliers de cavaliers mongols attaquaient son camp. L'armée Jin, forte de 40 000 hommes, fut impitoyablement massacrée par les Mongols. De nombreux soldats ont péri, et seul un petit nombre d'entre eux ont réussi à s'échapper. Le champ de bataille était une scène macabre avec des tas de cadavres de soldats Jin. Après la bataille de White Fox Ridge, la situation stratégique entre les Mongols et l'Empire Jin subit un renversement. L'armée mongole devint de plus en plus puissante et confiante, tandis que les forces principales de l'Empire Jin subissaient de lourdes pertes et ne pouvaient que se défendre. Par conséquent, Zhang Jiken ordonna la poursuite de l'avancée vers la capitale de l'Empire Jin, aujourd'hui Pékin. Cependant, le col de Juillon, un emplacement stratégique crucial qui avait été contesté par de nombreuses puissances militaires au cours de l'histoire, bloquait le chemin de l'armée mongole. Le col de Juillon est situé à Chongqing, dans l'actuel Pékin. C'est une passe clé qui est imprenable et difficile à attaquer. Lorsque le général d'avant-garde de Zhang Jiken, JB, arriva au col de Juillon, il leva les yeux vers la majestueuse montagne et les défenses fortifiées, réalisant qu'il ne serait pas facile de s'en emparer par la force. Comme un assaut direct n'était pas possible, JB décida d'employer une stratégie. Il ordonna à ses soldats de feindre une attaque sur la ville, et par conséquent, les soldats firent semblant d'attaquer le col de Juillon, mais furent rapidement repoussés par les défenseurs Jin. Ensuite, l'armée mongole battit en retraite, laissant délibérément derrière elle de nombreux drapeaux, des chevaux faibles, des arcs brisés et des armes endommagées. Voyant cela, l'armée Jin assiégée crut que l'armée mongole n'était pas une menace significative et ordonna que les portes de la ville soient ouvertes à la poursuite. Cela a joué un rôle dans le piège de JB. Une fois que l'armée Jin a quitté la ville, il leur était impossible de revenir. JB avait mis en place des troupes d'embuscade devant le col de Juillon, et dès que l'armée Jin a quitté la ville, ils ont été interceptés par les forces de JB. Ensuite, les embusqués mongols en ont profité pour attaquer le col de Juillon et ont occupé cette barrière menant à la capitale centrale, qui était connue comme une forteresse naturelle imprenable.
Avec la perte du col de Juillon, la capitale centrale n'avait plus de forteresse à défendre, la laissant exposée comme un cornu devant la cavalerie mongole. Mais à ce moment-là, c'était l'hiver profond, avec de la neige qui tombait du ciel, et l'armée mongole était incapable de se réapprovisionner et fatiguée par des jours de campagne. Par conséquent, Zhang Jikan ordonna un retour victorieux chez lui, ayant déjà anéanti la force principale de l'armée Jin. L'Empire Jin a également reconnu ma puissance. Zhang Jikan laissa un général pour garder la région et retourna dans les steppes mongoles avec ses trois fils, attendant la prochaine occasion de donner une autre leçon à l'Empire Jin. L'année suivante, Zhang Jikan reçut des rapports faisant état de conflits internes au sein de l'Empire Jin. Wu Xiaoyu, le défenseur de la capitale occidentale de l'Empire Jin, s'enfuit sans combattre lorsque les forces de Zhang Jikan attaquent. Cet homme a abandonné la capitale de l'Ouest et est retourné à la capitale centrale de Jin dans un état des plus échevelés. En tant que fonctionnaire local de la capitale de l'Ouest, il avait le devoir de défendre son territoire, mais il s'enfuit sans combattre et perdit une place fort importante. Selon la loi, il aurait dû être exécuté. Wanyong Liangji était probablement trop occupé à ce moment-là pour résister à l'invasion mongole et pensait que Wu Xiaoyu était toujours un général capable, alors il ne l'exécuta pas, mais le rétrograda au rang de roturier et le renvoya chez lui pour cultiver. En conséquence, Wu Xiaoyu nourrissait du ressentiment dans son cœur. Plus tard, alors que Wanyong Liangji continuait à commettre des guerres sous les attaques incessantes des Mongols et qu'il sentait qu'il ne restait plus beaucoup de généraux compétents, il pensa que puisque Wu Xiaoyu avait commis une offense aussi grave et n'avait pas été exécuté par moi, il devrait être reconnaissant et s'efforcer de faire amende honorable pour ses crimes. Par conséquent, Wanyong Liangji rétablit Wu Xiaoyu en tant que général pour résister aux Mongols. Wanyong Liangji ne connaissait pas le vrai caractère de Wu Xiaoyu, il ne se rendait pas compte à quel point il était froid, perfide et mesquin. Non seulement Wu Xiaoyu manquait de gratitude, mais il avait aussi des pensées de vengeance. Vous lui donnez maintenant le pouvoir militaire, n'est-ce pas l'équivalent de lui tendre la poignée d'un couteau? Après être devenu un général commandant, Wu Xiaoyu ne pensait pas à résister aux Mongols, mais passait ses journées à chasser et à boire. Quand Wanyong Liangji l'apprit, il devint anxieux. Je t'ai donné le pouvoir militaire, pourquoi? Pour lutter contre les Mongols, pas pour passer vos journées à chasser les canards et les lapins. Wanyong Liangji envoya donc des messagers pour exhorter Wu Xiaoyu à mener des troupes contre les Mongols. Après deux visites du messager et avoir irrité Wu Xiaoyu, qui jouait avec un faucon à ce moment-là, Wu Xiaoyu a giflé le messager avec le faucon, le tuant. Arrivé jusque-là, Wu Xiaoyu lança une rébellion, prit d'assaut la capitale centrale, emprisonna Wanyong Liangji, puis envoya le roi avec une coupe de vin empoisonnée. Après avoir tué l'empereur Wanyong Liangji, Wu Xiaoyu proclame Wanyong Xia empereur et se nomme lui-même commandant suprême des forces militaires de l'Empire Jin, le maréchal. Lorsque la nouvelle parvint en Mongolie, Zhang Jikan y vit une opportunité venue du ciel et mena son armée en trois divisions pour attaquer la capitale centrale de Jin. Les Mongols revinrent en force et l'armée Jin résista dans leur ville isolée. Les habitants de l'Empire Jin savaient qu'une fois la capitale centrale tombée, tout serait perdu, alors ils se sont battus désespérément avec les yeux rouges. Sous Xiaoyu se trouvait un général nommé Xu Daoqi, qui était un maréchal adjoint. Lorsque Xu Daoqi subit des défaites contre les Mongols, Wu Xiaoyu menaça de le tuer. Révéler bêtement ses intentions sans agir immédiatement donna à Xu Daoqi le temps de réfléchir, pourquoi devrait-il laisser Wu Xiaoyu le tuer alors qu'il pouvait frapper le premier? Il a donc envoyé des soldats pour encercler la résidence de Wu Xiaoyu et l'a attaqué sans relâche. Terrifié, Wu Xiaoyu a tenté de s'échapper en escaladant un mur, mais s'est accroché à un clou de fer et est tombé. Les soldats de Xu Daoqi se précipitèrent et décapitèrent Wu Xiaoyu, éliminant ainsi ce traître régicide. Puis Xu Daoqi alla voir l'empereur Wanyong Xia et lui dit qu'il avait éliminé ce traître pour le bien de sa majesté. À ce moment-là, Wanyong Xia était essentiellement un dirigeant fantoche, et avec la mort de Wu Xiaoyu, il a reconnu Xu Daoqi comme le nouveau dirigeant, disant qu'il suivrait son exemple. Après avoir pris les commandes, Xu Daoqi a également mené les soldats dans une défense désespérée. Bien que l'Empire Jin ait été en proie à des conflits internes et à des troubles politiques, la capitale centrale, qui avait été la capitale pendant plus de 60 ans, avait encore de très fortes fortifications défensives. Si l'armée mongole voulait la conquérir, elle devrait payer un lourd tribut. Par conséquent, Zhang Jikan décida de laisser une armée assiéger la capitale centrale pendant qu'il menait la force principale dans la plaine de Chine du Nord sans défense. Il s'empare de plusieurs préfectures dans le Hebei, le Shandong et le Shaanxi avant d'arrêter leur avancée vers le sud à la barrière naturelle du fleuve jaune. À cette époque, Zhongdu était devenue une ville isolée.
Shaanxi Kan était très fier et envoya des émissaires pour dire à l'empereur de l'Empire Qing que les provinces et les comtés du Hebei et du Shandong avaient été presque entièrement conquis par moi. Un petit Zhongju, se pourrait-il que je ne puisse pas l'enlever? Après que la ville a été détruite, que tant de vos gens sont morts, vous ne pouvez pas nous blâmer, nous les Mongols. C'est parce que le ciel pense que vous êtes injuste, le ciel vous punit. Donc, si je continue à attaquer des villes et à tuer des gens, c'est pour ajouter au péché du ciel. Nous, les Mongols, ne devrions pas faire cela. Par conséquent, je vous offre une porte de sortie, tant que vous offrirez de l'or, des perles et des joyaux pour récompenser ma grande armée, je suis prêt à ramener mes troupes chez moi. En entendant cela, l'empereur de l'Empire Qing pensa que donner de l'argent à ce visiteur pestiféré le ferait partir, ce qui était génial. Tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. En conséquence, l'Empire Qing envoya le premier ministre Wanyang Shongbi en tant qu'émissaire pour rencontrer Shaanxi Kan dans le camp mongol. Shaanxi Kan a dit « Nous voulons de l'or, des perles, du bétail et de la population. Votre empereur de l'Empire Qing doit également envoyer une princesse pour me servir avant que je ne sois prêt à retirer les troupes. » Wanyang Shongbi revint et rapporta à Wanyang Xia que les exigences de Shaanxi Kan étaient excessives. Mais à ce moment-là, nous sommes des poissons sur la planche à découper et Wanyang Xia n'a pas osé ne pas céder. Il envoya donc la fille de l'empereur assassiner Wanyang Yongji, prétendant qu'elle était la princesse de l'empereur actuel à Shaanxi Kan, avec une grande quantité d'or et de bijoux, un millier de garçons et de filles, 3000 chevaux et un grand nombre de bovins et de moutons. Les Mongols rentrèrent chez eux chargés de butin et se retirèrent dans la steppe mongole. Dès que les Mongols sont partis, l'empereur Wanyang Xia de l'Empire Qing a déclaré que Zhongju était en ruine et qu'il ne pouvait plus y rester, il fallait qu'il aille vite. Il voulait se rendre à Dianyang, l'ancienne capitale de la dynastie des Song du Nord, qui est aujourd'hui Kefeng dans le Henan. Dianyang était déjà devenue la capitale méridionale de l'Empire Qing à cette époque. Les deux premiers ministres de l'Empire Qing, Tudani et Wanyang Shongdui, l'ont déconseillé à plusieurs reprises, soulignant que la capitale est le fondement du pays. Une fois la capitale perdue, les cœurs des gens seront dispersés. Si tu t'enfuis, qui sacrifiera sa vie pour toi? Cependant, Wanyang Xia ne pensait qu'à sa propre sécurité et ne tenait pas compte des conseils de ses premiers ministres. Il insista pour se rendre dans le sud avec l'impératrice et les fonctionnaires. Il laissa le prince héritier Wanyang Shuzong, le premier ministre Wanyang Shongdui et le général Wanyang défendre Zhongdu avec loyauté. Lorsque Shaanxi Kan entendit parler de l'empereur Xianzong du mouvement de l'empereur Jin vers le sud dans la steppe mongole, il fut furieux. Puisque nous sommes déjà parvenus à un accord de paix, pourquoi déplacer la capitale? Tu dois avoir envie de rester loin de moi et de rassembler des forces pour te battre à nouveau contre moi, cela montre que vous n'êtes pas sincère envers moi. Puisque c'est le cas, ne me blâmez pas d'être impoli. Ainsi, Shaanxi Kan mena à nouveau ses troupes pour faire campagne contre l'empire Jin. Ils entrèrent dans le territoire des Jin et se dirigèrent directement vers Zhongdu. Avant que l'armée de Shaanxi Kan n'atteigne Zhongdu, les soldats quittants qui défendaient les faubourgs de Zhongdu se mutinèrent. Shaanxi Kan dépêcha immédiatement le général quittant Shimominan pour recruter ses transfuges, puis les conduisit directement à la ville de Zhongdu. Voyant que Zhongdu ne pouvait pas durer du matin au soir, le prince héritier Wanyang Shuzong reçut l'ordre de battre en retraite vers le sud. Après avoir atteint Dianyang, il mourut peu de temps après en raison d'une peur excessive. Le premier ministre Wanyang Shongdui et le général Wanyang, restés à Zhongdu, envoyèrent une demande urgente d'aide à Wanyang Xia, demandant des renforts pour résister aux troupes mongoles. Sinon, Zhongdu serait perdu. Wanyang Xia envoya en effet des renforts menés par Li Ying. L'envoi de Li Ying par Wanyang Xia à la rescousse montrait que la cour de l'Empire Qing était déjà au plein désarroi. Li Ying était un ivrogne notoire qui n'était jamais sobre un seul jour. Lorsqu'il était fonctionnaire au tribunal, il pouvait encore gérer ses subordonnés en état d'ébriété. Maintenant, en tant que général à la tête de renfort pour lever le siège de Zhongdu, il s'enivrait encore tous les jours et se balançait à cheval. Li Ying se balança jusqu'à ce qu'il conduise ses soldats à Bazo où ils rencontrèrent l'armée mongole de front. L'armée mongole était une force féroce et invaincue, et même les soldats les plus forts ne pouvaient pas obtenir un avantage contre les Mongols, sans parler d'un ivrogne comme Li Ying. Dès que les deux armées se rencontrèrent, avant même que Li Ying ne puisse comprendre la situation sur le champ de bataille, la cavalerie mongole chargea, et d'un coup d'épée, la tête de Li Ying fut coupée. La force actuelle de la dynastie Jin ne pouvait qu'envoyer de tels renforts. Une fois les renforts vaincus, la chute de Zhongdu n'était plus qu'une question de temps. Wanyang Shongdui savait que la situation était désastreuse et en a discuté avec Wanyang, qui a été loyal jusqu'à la fin.
Zhongji ne pouvait pas être défendue, mais après tout, c'était la capitale de notre grand empire Jin depuis des décennies. Il est temps de nos ancêtres s'y trouver également, déplacés à l'origine à Fanchon par le prince de Heling. En tant que serviteur, nous devrions mourir pour notre pays lorsqu'il tombera. Qu'en pensez-vous, général? Les yeux de Monnier roulèrent dans sa tête, et il n'osa pas regarder Wanyan Chongdui. Il a parlé de tout le reste, comme le fait qu'il faisait beau aujourd'hui et qu'il inviterait Wanyan Chongdui à boire un verre ce soir, en disant des bêtises. Wanyan Chongdui a vu que cet homme n'était pas du tout à la hauteur de son nom. On appelait Monnier loyal, mais en fait, il n'avait pas l'intention d'être loyal envers le pays. Puisque c'est le cas, chacun a ses propres ambitions, et il n'est pas nécessaire de le forcer, oublie ça, tu peux y aller, je ne vais pas perdre de mots avec toi. Monnier partit précipitamment, retourna chez lui, empaqueta des trésors d'or et d'argent, des étoffes de soie et de satin, puis toutes ses femmes, grandes et petites, les chargea sur des charrettes pour les transporter et se prépara à fuir. Wanyan Chongdui est rentré chez lui, a rendu hommage devant les portraits de ses ancêtres, puis a dit à sa famille de fuir pour sauver sa vie. Il convoqua un de ses bons amis, un scribe du Shongshu Tai, et lui dit, après ma mort, remettez ce testament à Sa Majesté. Le fonctionnaire mineur l'ouvrit et découvrit que le testament énumérait les crimes de Xu Diaoti et de Monnier, qui avaient loyalement apporté le désastre au pays et à son peuple. Il exprimait également l'espoir que l'empereur raillerait ses esprits, choisirait des fonctionnaires sages et compétents, formerait une armée forte et d'élite et mènerait une guerre sanglante contre les Mongols pour récupérer l'ancienne capitale, réconfortant ainsi les esprits de nos ancêtres au ciel. Le fonctionnaire a été ému aux larmes. Wanyan Chongdui a dit « Ne pleure pas, ne pleure pas. La vie d'une personne n'est que de 100 ans tout au plus, et tout le monde doit mourir un jour ou l'autre. Mourir loyalement pour son pays, c'est mourir honorablement. Allons, buvons. » Après trois tournées de verre, Wanyan Chongdui a dit au fonctionnaire, bien qu'il y ait une grande différence dans notre statut, nous sommes amis dans la poésie et le vin. Je n'ai rien à vous donner. Qu'en pensez-vous? Je vais t'écrire un morceau de calligraphie. Ainsi, Wanyan Chongdui a préparé son pinceau, son encre, son papier et sa pierre à encre, et a écrit un morceau de calligraphie pour le fonctionnaire. Après avoir terminé, il dit, c'est la dernière chose que je peux te donner, emportez-le avec vous. C'est dommage que l'encre d'aujourd'hui soit un peu légère et que certains personnages ne soient pas bien écrits. Eh bien, qu'il en soit ainsi, il n'y a pas de temps pour le changer. Par la suite, le fonctionnaire a fait ses adieux au premier ministre et s'est retourné pour partir. Dès qu'il est sorti, il a entendu des pleurs provenant de l'intérieur de la résidence du premier ministre. Il s'est avéré que Wanyan Chongdui avait bu du poison pendant qu'ils buvaient ensemble. Pourquoi certains personnages n'étaient-ils pas bien écrits? C'était parce que le poison avait commencé à faire effet, faisant trembler ses mains. Dès qu'il eut fini d'écrire, le poison fit pleinement effet, et Wanyan Chongdui mourut d'une mort héroïque pour son pays. Le fonctionnaire mineur, porteur du testament de Wanyan Chongdui, a pleuré en faisant ses adieux au premier ministre, s'est déguisé et s'est enfui au milieu du chaos de la ville de Zhongji. Le général Monnier s'était enfui par loyauté, le premier ministre Wanyan Chongdui était mort pour son pays, et la ville de Zhongji tomba aux mains de l'armée mongole. Après la prise de cette ville, qui avait été la capitale de l'Empire Jin pendant plus de 60 ans, par les Mongols, la puissance de l'Empire Jin avait considérablement diminué. Zhangji Kan a également estimé qu'il n'y avait plus beaucoup d'espoir pour l'Empire Jin et a donc confié à Mukali la gestion du Sud. Il dit à Mukali, je gouvernerai les steppes du Nord, tu es responsable de la gestion des plaines centrales selon les coutumes. À ce moment-là, de nombreux habitants des plaines centrales, qu'ils soient Han, Khitan ou Jurchen, s'était rendu à Zhangji Kan. Par conséquent, il n'était possible de gouverner selon les coutumes qu'en établissant une province provisoire de Shanxu avec Mukali comme chef. Zhangji Kan a également jeté un sceau pour Mukali selon les coutumes et l'a nommé grand précepteur et roi en charge des territoires du Sud. Mukali mena ensuite ses troupes vers le sud et le nord dans des campagnes contre des endroits comme le Shandong, le Henan et le Shaoxi. Le destin de l'Empire Jin était scellé, si Zhangji Kan poussait plus fort, il pourrait l'anéantir complètement. Pourquoi Zhangji Kan est-il parti à ce moment critique où l'Empire Jin était sur le point de tomber? Après avoir unifié les steppes mongoles, Zhangji Kan tourna son attention vers les riches plaines centrales. Cependant, juste au moment où Zhangji Kan se dirigeait vers le sud et avait sévèrement vaincu l'Empire Jin, il décida soudainement d'arrêter son avance vers le sud et de tourner ses troupes vers l'ouest. Qu'est-ce qui a poussé Zhangji Kan à interrompre sa campagne militaire dans les plaines centrales? Et sa campagne vers l'ouest sera-t-elle couronnée de succès? Zhangji Kan avait soumis diverses tribus dans les steppes avant d'achever l'unification des steppes.
L'Hondus s'était rendu volontairement lors de l'unification des steppes mongoles par Genghis Khan, le peuple tatar a été presque complètement anéanti. Les restes de tribus telles que Merkit, Néman et Kiret existaient encore, et ils se sont rassemblés aux confins du territoire de l'Empire mongol, accumulant des forces et se préparant à une résurgence. Parmi les chefs des Némans se trouvaient Taïon Khan et son frère Birut Khan. À ce moment-là, Taïon Khan avait déjà été vaincu et son fils Kushiluk s'était enfui. Cependant, Birut Khan était encore relativement fort, et les Merkit vaincus, y compris le fils de Taïon Khan, Kushiluk, s'étaient tous tournés vers Birut Khan. Par conséquent, l'étape suivante de Genghis Khan était d'éliminer les restes de Néman et des Merkit et de les anéantir complètement. En 1206, l'année même où Genghis Khan établit le grand état mongol, l'armée mongole s'approcha de la rivière Sha, qui est aujourd'hui le cours supérieur de la rivière Kodo en Mongolie. À cette époque, les restes des peuples Néman et Merkit chassaient dans cette région, complètement inconscients du danger imminent. Ils pensaient que puisque Genghis Khan venait d'établir son pays, il aurait sûrement besoin de célébrer, de régaler ses fonctionnaires civils et militaires et de conférer des titres à ses sujets méritants, ce qui prendrait du temps. Ils aiguisaient leurs armes et récupéraient, se préparant à régler leurs comptes avec Genghis Khan à l'avenir. Ils ne s'attendaient pas à ce que Genghis Khan agisse si rapidement, dès la fin des célébrations, il envoya des troupes pour les attaquer. Pris au dépourvu par l'attaque soudaine de la cavalerie mongole, Birut Khan et les restes des Naïmans et des Merkit furent anéantis. Birut Khan fut capturé et tué, sa famille, ses terres et son bétail tombèrent tous entre les mains de Genghis Khan. Kushiluk et Topto Abeki, le chef du peuple Merkit, s'échappèrent à nouveau. Topto Abeki, en particulier, s'était échappé des mains de Genghis Khan à plusieurs reprises auparavant et avait une riche expérience de la fuite, il a couru jusqu'à l'actuelle rivière Irtych. Encore troublé, Topto Abeki venait de s'installer pour reprendre son souffle lorsque les poursuivants de Genghis Khan arrivèrent. Il n'avait pas d'autre choix que de faire demi-tour et de se battre à nouveau. Après une bataille acharnée, il a été frappé par des flèches aléatoires et est mort. Dans le chaos, les fils de Topto Abeki ne purent emporter son corps avec eux, ils ne pouvaient que lui couper la tête et l'emporter. Les fils de Topto Abeki continuèrent leur fuite désespérée vers une zone d'importance stratégique avec de hautes montagnes et des forêts denses, où ils se cachèrent. Le fils de Taïon Khan, Kushiluk, s'est également enfui, s'enfuyant dans la région de l'actuel Xinjiang, où il s'est ensuite réfugié auprès des Karakités. Ils se cachèrent pendant 10 ans parce qu'ils savaient que la possibilité de lancer une contre-attaque sur la steppe mongole et de renverser le régime de Genghis Khan n'existait plus. Tant qu'ils n'étaient pas attrapés par Genghis Khan, ils seraient en sécurité. Genghis Khan envoya des espions au loin, s'enquérant de leurs allées et venues. 10 ans plus tard, en l'an 1216, Genghis Khan apprit enfin où ils se trouvaient. Cependant, leur cachette était loin de la steppe mongole, avec de hautes montagnes et des routes accidentées entre les deux, ce qui rendait le voyage difficile. Genghis Khan se demanda lequel de ses généraux pourrait mener une armée pour capturer et tuer les fils de Topto Abeki. À ce moment-là, le général Subutai se porta volontaire pour la mission, exprimant au grand Khan sa volonté d'éradiquer ce dernier ennemi. Genghis Khan était très heureux et tapota l'épaule de Subutai en disant « Brave Subutai, je te remercie de t'être porté volontaire. » Les rebelles perfides se sont enfuis comme des renards rusés. S'ils se poussent des ailes et s'envolent vers le ciel, brave Subutai, j'espère que tu les attraperas comme un faucon rapide. S'ils se transforment en taupes et s'enfouissent sous terre, brave Subutai, j'espère que tu deviendras une pelle et que tu les déterras. S'ils deviennent des poissons et nagent dans les rivières, brave Subutai, j'espère que tu deviendras un filet de pêche et que tu les ramasseras. Subutai lui assura qu'il n'y avait pas de problème et que le grand Khan pouvait dormir tranquille. Cependant, Genghis Khan était toujours inquiet et continuait à instruire Subutai, nous ne pouvons pas mobiliser une grande armée, une fois que nous l'aurons fait, ils s'enfuiront à nouveau. Dans cette mission, avec de hautes montagnes et des chemins dangereux, vous devez conserver la force de vos chevaux, rationner les provisions avec soin, vous déplacer furtivement, frapper directement le nid des voleurs et viser uniquement à capturer les meneurs. Brave Subutai, la raison pour laquelle je t'envoie naviguer dans les dangers et parcourir une si longue distance pour éliminer les ennemis restants et que le peuple Merkit est mon ennemi juré. Ils ont volé ma femme Burt et m'ont piégé sur la colline de Burkokalda. Maintenant, même s'ils montent au ciel ou s'enfuient jusqu'aux extrémités de la terre, brave Subutai, vous devez tous les capturer et les éradiquer d'un seul coup. Dire que vous alliez loin pour attaquer le peuple Merkit, c'est comme si vous étiez sous mes yeux, et Tantli vous bénira. Brave Subutai, conduis tes troupes et mets-toi en route. Subutai fut profondément ému par les paroles sincères et les exhortations répétées du grand Khan.
Il se tapota la poitrine et promit au grand Khan qu'il anéantirait complètement le peuple Merkite et qu'il ne reviendrait pas tant qu'il n'aurait pas atteint son objectif. Ensuite, Subutai mena ses troupes à l'extérieur. La force qu'il commandait cette fois-ci s'apparentait quelque peu aux forces spéciales modernes. Subutai était l'un des 4 chiens de Zhongji Khan lors de la fondation de la nation et un célèbre général du grand état mongol, pas seulement un homme de simple bravoure. Alors que Subutai s'approchait de la zone où les restes du peuple Merkite étaient retranchés, il craignait qu'il ne s'alarme. Que faire? Subutai envoya un lieutenant avec plus d'une centaine d'hommes en avant pour repérer l'emplacement exact du peuple Merkite. Pour éviter d'être détecté par le peuple Merkite, Subutai a demandé à ses hommes de se déguiser en réfugiés et de disperser des objets sur leur chemin tels que des vêtements de bébé, des seins cassés, des arbres de charrette cassés et d'autres choses pour tromper le peuple Merkite. Le lieutenant conduisit en chemin 700 d'hommes déguisés en réfugiés. Le peuple Merkite avait développé ses propres moyens de survie après s'être caché pendant plus de 10 ans, ils envoyaient constamment des éclaireurs et des espions pour s'enquérir si les forces mongoles approchaient. La centaine d'hommes envoyés par Subutai ont été découverts par des éclaireurs Merkite. Cependant, voyant les objets jetés sur leur chemin, ces éclaireurs rapportaient au fils de Tokto Abeki qu'il n'y avait aucun signe d'approche des soldats mongols, seul un groupe de réfugiés était venu. Ainsi, les fils de Tokto Abeki baissèrent leur garde, pensant que s'il s'agissait de réfugiés, cela indiquait que le règne de Zhongji Khan n'allait pas bien, peut-être que ces réfugiés avaient aussi de la rancune contre Zhongji Khan. L'avant-garde de Subutai, composée de plus d'une centaine d'hommes, repéra également l'emplacement du campement de Merkite et fit son rapport à Subutai. Par conséquent, l'armée de Subutai apparut soudainement devant les restes du peuple Merkite et remporta une victoire décisive. La bataille fut sans suspense, d'un côté, il y avait une armée adhérée, tandis que de l'autre, il y avait comme des poissons pris au fond d'un chaudron, comment pouvait-il résister aux forces de Subutai? Après une bataille acharnée, plusieurs des fils aînés de Tokto Abeki ont tous été capturés. Suivant les instructions de Zhongji Khan, Subutai ne les renvoya pas dans l'ancien camp mongol mais les exécuta sur le champ. Tokto Abeki avait un fils cadet qui fut également capturé, ce fils s'appelait Miagan, ce qui signifie « tireur d'élite » en mongol, et on disait qu'il était un excellent archer. Par conséquent, Subutai l'envoya chez le fils aîné de Zhongji Khan, Joshi. Quand Joshi apprit que Miagan était un archer qualifié, il voulut voir par lui-même. Il a mis en place une cible et a demandé à Miagan de tirer des flèches pour eux. Miagan dégaina son arc à faux et décocha une flèche qui atteignit la cible. Sa deuxième flèche était encore plus miraculeuse, divisant la première flèche en deux et frappant à nouveau dans le mille. En le voyant, Joshi se rendit compte que ce jeune homme était en effet un guerrier rare, son tir à l'arc était extrêmement précis. Ainsi, Joshi supplia Zhongji Khan d'épargner la vie de Miagan et de lui permettre de rester à ses côtés en tant que capitaine de sa garde. Avec des compétences de tir à l'arc aussi précises, il ferait un excellent garde du corps sur le champ de bataille. Zhongji Khan était à l'origine une personne qui valorisait beaucoup le talent. Beaucoup de ses grands généraux, comme Jebe, étaient autrefois ses ennemis, et Jebe avait même failli le tuer. Selon la pratique habituelle de Zhongji Khan, il était très probable qu'il épargnerait Miagan. Cependant, cette fois, Zhongji Khan refusa catégoriquement. « Non, absolument pas », a-t-il dit. « Parmi toutes les tribus qui s'opposent à nous, aucune n'est pire que le peuple Merkite. Lorsque nous coupons l'herbe, nous devons enlever les racines, sinon nous souffrirons de problèmes sans fin plus tard. Nous ne devons pas donner au peuple Merkite la moindre chance de se relever. » Nous devons les anéantir complètement. Alors, Zhongji Khan dit à Joshi, regarde combien de pays nous avons conquis et combien de territoires nous avons occupés. Pourquoi êtes-vous si myope? Que voit un seul Miagan? Sur les terres que vous avez conquises, vous pouvez facilement trouver quelqu'un de plus compétent que Miagan. Miagan ne doit pas être épargné, il faut le tuer. N'ayant pas d'autre choix et n'osant pas défier l'ordre de son père Khan, Joshi doit exécuter Miagan. En conséquence, la tribu Merkite, qui avait longtemps été un ennemi de Tunisiens, comme la tribu Tatar, a subi un désastre catastrophique et a été complètement anéantie. Après l'anéantissement complet du peuple Merkite, Zhongji Khan ne pouvait s'empêcher de penser au fils de Taiyang Khan, Kuchuluk. Kuchuluk s'est d'abord enfui dans ce qui est aujourd'hui le Xinjiang, mais comme il ne pouvait pas trouver de nourriture, ses partisans se sont dispersés et il n'a eu d'autre choix que d'aller sans but sur le territoire de Karakite. À cette époque, le Karakite établi par Yelü Dashi existait depuis près de 80 ans et était passé entre les mains du dernier empereur incompétent Yelü Zilugu. Zilugu était crédule et faible, influencé par les paroles des femmes.
Kushirut, abandonnèrent, vint se réfugier auprès de Iluzinudu. Il conduisit ses hommes jusqu'au faubourg de Banasagar et y réfléchit. « Je ne devrais pas faire irruption comme ça, » pensa-t-il. « Qui sait ce que pense l'empereur de Karakitai ? Que se passera-t-il si j'entre qu'il décide de plaire à Jean-Jitien en me capturant et en m'exécutant avec un « shot » Kushirut demanda donc à l'un de ses hommes de se faire passer pour lui. Après tout, Iluzinudu ne l'avait jamais vu et Kushirut lui-même, déguisé en garçon d'écurie, attendit à la porte. Après l'entrée de l'homme de Kushirut, par un coup du sort, la princesse de Karakitai quitta la ville. Dès qu'elle sortit de la porte de la ville, elle vit Kushirut assis en tailleur sur le sol et se prit immédiatement d'affection pour lui. Peut-être parce que Kushirut était beau avec des lignées turques, des yeux enfoncés et un nez haut. La princesse dit immédiatement au garde à la porte, « Comment pouvons-nous laisser un tel homme s'asseoir par terre ?»« Amenez-le voir mon père. » Quand Kushirut a entendu cela, il a su qu'il était en danger et a révélé son identité. « Je ne suis pas un garçon d'écurie, je suis Kushirut, prince de Naïma. L'homme qui vient d'entrer est mon subordonné. » Iluzinudu a été impressionné par l'apparence distinguée de Kushirut qu'il a beaucoup aimé. De plus, comme la princesse a dit qu'elle avait jeté son dévolu sur lui et qu'elle n'épouserait personne d'autre, Kushirut et la princesse se sont mariés 3 jours plus tard. Kushirut devint un gendre privilégié à Karakitai et s'y implanta progressivement. Au fur et à mesure que son pouvoir grandissait, son ambition grandissait également, il se mit à rêver de rendre des faveurs par l'ingratitude à l'usurpation du pouvoir. Kushirut aurait dû se demander à quel point il avait été traité lorsqu'il s'est réfugié dans son état de dénuement. Maintenant, convoiter le trône de Karakitai semblait adroit. Il pensait que Iluzinudu était incompétent et vivait dans une stupeur d'ivrogne, inapte à gouverner ce pays. Si je possédais le territoire de Karakitai, pensa-t-il, je pourrais utiliser sa force militaire pour me venger de Jean-Jitien. Il commença donc à comploter pour se débarrasser de son beau-père et prendre le pouvoir d'empereur. Alors que Kushirut complotait, une opportunité s'est présentée à lui. Qui l'a fourni? Le roi du Khwarazm, un état vassal de Karakitai, Alaeddin Muhammad. Alaeddin Muhammad envoya des émissaires à Kushirut, proposant une alliance secrète pour renverser Iluzinudu. Alaeddin Muhammad ne voulait plus être vassal de Karakitai et chercher un partenaire intérieur pour les frapper. Après avoir pris connaissance des ambitions de Kushirut, qui était aussi claire que celle de Sima Jiao, un fait connu de tout, il a tendu la main à Kushirut. Pourrait-il unir leurs forces contre Iluzinudu? Kushirut et Alaeddin Muhammad se sont entendus et ont planifié leur conspiration. Kushirut s'approcha alors de Iluzinudu et lui dit, « Beau-père, notre peuple n'aimant est maintenant dispersé. Si vous me permettez de revenir, je pourrai les rassembler pour former une force forte. Ensuite, j'amènerai ces gens pour vous servir, pour protéger votre maison et étendre votre territoire. Sois assuré que tant que tu vivras, tu seras mon père, ma famille la plus chère, et je te jure une loyauté éternelle. » Le naïf Iluzinudu l'a cru, d'autant plus que sa propre fille s'est portée garante de la loyauté de Kushirut. Iluzinudu offrit donc à Kushirut de nombreux cadeaux pour recruter une armée. En effet, une fois que Kushirut l'a appelé, les Nîmois restants se sont rassemblés autour de lui. Kushirut, qui détenait toujours les cadeaux de son beau-père, soudoya de nombreux fonctionnaires et soldats de Karakitai. Lorsqu'Iludashi a migré vers l'ouest, il ne restait plus beaucoup de vrais Khitans, Karakitai était un état multi-ethnique. Beaucoup de gens d'autres ethnies avaient une philosophie simple, l'argent dicte la paternité et la provision dicte la loyauté. Quiconque les nourrirait, y servirait, et celui qui paierait plus, y risquerait leur vie pour. Comme Iluzinudu offrait moins et Kushirut plus, il était naturel pour eux de suivre Kushirut. Ainsi, le pouvoir de Kushirut s'est renforcé. Une fois son pouvoir établi, Kushirut se retourna contre son beau-père avec une attaque féroce. C'est alors que Iluzinudu réalisa qu'il avait élevé un loup déguisé en mouton et envoya rapidement des troupes pour résister à Kushirut. Alors que Iluzinudu et Kushirut s'affrontaient à l'extérieur de Banasagar, le Khwarazm a fait son mouvement. Alaeddin Muhammad mena une grande armée contre Karakitai et dans la bataille de la rivière Tala, maintenant à la frontière du Kazakhstan et du Kirghizistan, l'armée Karakitai fut complètement vaincue et le général Taïank fut capturé. L'armée du Khwarazm s'enfonça profondément dans le territoire de Karakitai. Le cœur du peuple Karakitai était troublé, en particulier la garnison de Banasagar. Apprenant que Alaeddin Muhammad et Kushirut unissaient leurs forces pour attaquer Banasagar, ils ont estimé que la résistance était inutile et se sont rapidement dispersés. Une fois la garnison partie, Iluzinudu se retrouva seul et Banasagar tomba.
Après la chute de Banasaga, Tushiruk, l'arc tendu et le couteau à la main, fit irruption dans le palais. En voyant Yelusilugu, Tushiruk ordonna à ses hommes de se retenir en disant « Ne lui faites pas de mal, c'est mon beau-père. Ne le reconnaissez-vous pas ?» Alors ils ont reculé. Tremblant de peur, Yelusilugu pouvait à peine parler de manière cohérente, mais suggéra rapidement qu'il pouvait discuter et qu'il abdiquerait en faveur de Tushiruk tant que sa vie serait épargnée. Tushiruk répondit « Où penses-tu que je veux en venir, beau-père ? Pour quel genre de personne me prends-tu ? Je ne suis pas venu pour le trône. » Confus, Yelusilugu demanda ce que Tushiruk voulait si ce n'était le trône. Tushiruk expliqua qu'il ne s'agissait pas d'une rébellion puisque les anciens du pays pensaient que Yelusilugu était sénile et voulaient que Tushiruk l'aide. « Vous pouvez continuer à vous asseoir sur le trône, je vais juste vous aider à gérer les choses. Tu es assez grand pour jouir d'un peu de paix, et en tant que ton gendre, je prendrai la moitié du travail pour toi », a déclaré Tushiruk. Yelusilugu a finalement compris qu'on faisait de lui une marionnette, mais a accepté le rôle pour sauver sa vie. Un an après le coup d'état du palais de Tushiruk, l'empereur fantoche Yelusilugu meurt en dépression. Par conséquent, Tushiruk s'empara sans vergogne du trône impérial. À partir de ce moment-là, le Karakiti fondé par le peuple titan tomba entre les mains de Néman et Tushiruk. Après s'être emparé du trône de Karakiti, Tushiruk a conclu un accord avec le Khwarazm pour leur céder les terres à l'ouest du Sirdaria tout en les exemptant de leur tribut annuel. Vous me rendiez hommage chaque année ? Maintenant, je n'en veux plus, je vous donne même des terres, a-t-il dit. Le roi du Khwarazm, Alaeddin Muhammad, fut satisfait et retira ses troupes. Tushiruk commença alors à faire des ravages au sein de Karakiti. Nomade depuis de nombreuses années, maintenant sédentaire, une personne ordinaire chérirait une telle opportunité de gérer correctement Karakiti comme une terre bénie pour se donner de la force en vue d'une éventuelle vengeance. Cependant, à cette époque, Tushiruk a mis en œuvre une politique religieuse profondément défectueuse. Lui-même chrétien historien, et sa femme, la princesse de Karakiti, étant bouddhiste comme la plupart des Titans, il se convertit au bouddhisme sous son influence et força tous les citoyens de Karakiti à faire de même. Cela a suscité une forte opposition au sein de la population. Tushiruk a également exigé que les habitants adoptent des vêtements de style Titan. Peut-être ne se sentant pas sûr de sa légitimité après avoir usurpé le trône, il pensait qu'agir encore plus comme un Titan que comme le Titan lui-même obtiendrait le soutien de la noblesse Karakitaï. Par conséquent, il a forcé les gens à porter des vêtements titans et à suivre la religion titan. Lorsqu'Yeludashi a fondé son état ici, sachant que la plupart des habitants étaient musulmans, il a respecté leurs croyances religieuses et a célébré leurs fêtes avec eux. Maintenant, les actions de Tushiruk ont été un revirement brutal, provoquant un grand ressentiment parmi la population locale. Tushiruk a également brutalement opprimé le peuple de ses états vassaux. Dans un endroit appelé Kashgar, l'actuel Kashgar du Xinjiang, il envoyait des troupes pour détruire les récoltes au moment des récoltes. Cela a conduit à la famine à Kashgar, et de nombreux habitants sont morts de faim. Quel était le but de Tushiruk ? Pour forcer les habitants de Kashgar à se convertir. S'ils ne se convertissaient pas, il les ferait mourir de faim. Il a également posté un soldat Karakiti dans chaque foyer de Kashgar. Ces soldats ont commis toutes sortes d'atrocités, incendies criminels, meurtres, pillages et viols. Incapable de le supporter et impuissant à résister, le peuple de Kashgar ne pouvait qu'espérer un libérateur envoyé par le ciel pour les débarrasser de ces tyrans. Leurs espoirs ont finalement été comblés par nul autre que Zhongji Khan. En 1218, Zhongji Khan envoya son général Jebe avec une armée de 20 000 guerriers mongols pour commencer l'assaut sur Karakitaï. L'objectif de Zhongji Khan était d'éradiquer complètement les restes des Naïmo Kishuruk. Cependant, Jibé n'était pas confronté à un chef tribal fugitif à ce moment-là, mais à un empereur de Karakiti. Dès que l'armée de Jibé entra dans Karakiti, elle proclama que chacun pouvait avoir ses propres croyances religieuses. L'armée de Zhongji Khan protégerait toutes les religions, que vous soyez un chrétien historien, un bouddhiste ou un musulman, tous ont été protégés. Tout le monde avait le droit de vivre selon les coutumes transmises par ses ancêtres, de sorte que les musulmans locaux n'avaient pas à se peigner les cheveux dans le style titan ou à porter des vêtements titans. Pensez Y, les gens ordinaires ne pourraient-ils pas soutenir l'armée mongole ? Par conséquent, partout où l'armée mongole allait, elle était bien accueillie par la population locale. À ce moment-là, Tushiruk était à Kashgar, et les habitants de Kashgar le méprisaient tellement qu'ils voulaient manger sa chair et dormir dans sa peau pour satisfaire le reine. Dès que Tushiruk vit l'armée mongole approcher, il monta immédiatement à cheval et s'enfuit. Alors qu'il s'enfuyait,
Les soldats karakités qu'il avait laissés dans les maisons des habitants de Kashdia ont été rapidement tués jusqu'au dernier homme. Tushiluk n'osa pas se battre contre l'armée mongole, il connaissait leur force de combat et la bravoure de ses bêtes. Par conséquent, il a dû courir vers un endroit sûr. Et où a-t-il couru? Il s'est lâté à ce qui est aujourd'hui l'Afghanistan. L'armée mongole d'Ojibwe le poursuivait sans relâche. Tushiluk s'enfuit dans les montagnes profondes où les Mongols, peu familiers avec les sentiers de montagne, ne pouvaient pas pénétrer. Ojibwe dit alors aux chasseurs locaux que s'ils pouvaient tuer Tushiluk, qui transportait beaucoup de trésors d'or et d'argent avec lui, tous leur appartiendraient. Les chasseurs étaient ravis de cette nouvelle, craignant que si l'armée mongole capturait Tushiluk, tous ses trésors iraient aux Mongols. Ils se sont donc tous empressés de partir à la recherche de Tushiluk. Aux yeux de ces chasseurs, Tushiluk n'était plus humain mais était devenu un tas de lingots d'or. Sa tête n'était pas une tête mais de l'or. Ainsi, ces chasseurs se précipitèrent et amenèrent rapidement la tête de Tushiluk devant Jibé. Jibé tint en effet sa promesse et récompensa tous les trésors que Tushiluk avait apportés aux chasseurs. Puis il ramena ses troupes chez lui et présenta la tête de Tushiluk à Genghis Khan. À la mort de Tushiluk, le territoire de l'ancien Karakité fut également incorporé à l'Empire mongol. Ainsi, l'Empire mongol était alors limitrophe de l'État musulman du Khwarazm en Asie centrale. De manière inattendue, une guerre prolongée a éclaté entre les deux pays. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Dans la prochaine vidéo, je commencerai à raconter l'histoire de la guerre de Genghis Khan contre les musulmans, qui peut également être appelée la première guerre entre les Mongols et les musulmans.